Goedemiddag, collega's. Zijn vandaag verontschuldigd. Madame Nissen pour raison de santé, mevrouw Maas met opdracht in het buitenland. En we hebben een uitgebreide agenda, maar voorlopig zijn er omwille van de agenda in de Kamer geen ministers beschikbaar voor de mondelinge vragen. Ik zou dan ook voorstellen om de agenda punt 2 eigenlijk aan te vatten. Zijnde het wetsvoorstel tot wijziging van het burgerlijk wetboek ten einde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen. En ik zou graag... J'aimerais donner la parole à la rapportrice, madame Katabi. Vous avez la parole. Je vous remercie, madame la présidente, mais je vous renvoie au rapport écrit, qui est relativement bien fait. Eh bien, je vous remercie et je voudrais savoir s'il y a des interventions. Monsieur Mahou, dans la discussion générale, donc tous ceux qui souhaitent intervenir. Merci, madame la présidente, mais je dirais que je veux simplement rappeler quel est l'objet de cette proposition de loi. Qui est une proposition de loi conjointe, en réalité. Madame de Fraigne avait déposé un texte, j'en avais déposé un autre. L'objectif était, dans ce qui est parfois considéré comme parcours du combattant pour les personnes qui souhaitent adopter, de considérer qu'il était possible, lors d'une deuxième adoption, de faciliter peut-être ce parcours. Je pense que l'objectif des propositions qui avaient été déposées était, d'une part, évidemment, de garantir les droits des enfants adoptés, de donner des conditions de milieu d'adoption les meilleures possibles, en même temps, évidemment, que de s'assurer... Du caractère sérieux, évidemment, de la volonté de la part de celle, de celui ou de ceux qui souhaitaient adopter. Mais il nous a semblé, évidemment, que obliger des candidats adoptés à subir lors d'une deuxième ou d'une troisième adoption le même parcours que celui qu'ils étaient amenés à subir lors de la première adoption nous paraissait assez inutile, et donc la proposition que nous avons déposée dans un texte commun avec Madame de Fraigne suite à l'avis du Conseil d'État était de dire que quand il s'agit d'une deuxième et d'une troisième adoption, la formation n'était plus nécessaire et donc je dirais la garantie apportée aux candidats à adopter liés au fait d'avoir subi une formation était suffisante lors d'une deuxième et d'une troisième adoption, considérant cependant qu'il était nécessaire que l'enquête sociale reste obligatoire lors de la seconde, la troisième ou la quatrième adoption. Suite à l'avis du Conseil d'État, nous avons considéré que ces règles devaient être valable à la fois sur le plan de l'adoption nationale et de l'adoption internationale. Je crois très réellement, avec Madame de Fraigne, et si j'en crois le vote, en tout cas pratiquement unanime, de la Commission de la Justice, je crois qu'il s'agit d'une avancée importante et je crois que pour ces personnes candidates à adopter, c'est une simplification qui apparaît comme nécessaire. Et donc, j'espère que tout à l'heure, nous voterons à une large majorité cette proposition de loi. Merci, Monsieur Mahou. Madame de Fraigne. Je vais faire de mon banc, Madame la Présidente. Je ne vais pas revenir sur la synthèse que Monsieur Mahou a faite de cette proposition de loi, et je me réjouis du bel enfant que nous allons adopter aujourd'hui, qui est cette proposition de loi devenue commune, puisque chacun, dans notre coin, nous avions eu la même idée et nous avons eu la sagesse de demander l'avis du Conseil d'État. Je pense effectivement que c'est faire œuvre utile, à la fois bien sûr en termes de simplification administrative, si on peut l'appeler comme ça, mais aussi surtout pour faciliter le quotidien et la vie des familles qui ont déjà accompli
cette conquête du Graal, ce parcours du combattant, comme on l'a dit, d'adopter un premier enfant, et qui ne doivent pas, s'ils le souhaitent, vivre et parfois pour certains subir une seconde préparation. Nous avons, comme l'a rappelé M. Mahou, eu toutes les garanties puisque nous maintenons le principe de l'enquête sociale. Je pense que c'est un plus, une plus-value et que, en même temps, pour ces familles, nous allégeons aussi le coût que ça représente. On a parlé de 450 à 500 euros. Je pense que ce n'est évidemment pas négligeable. Nous maintenons les garanties pour la cellule familiale, et parce que c'est de l'avenir d'un enfant qu'il s'agit, mais en même temps, nous faisons œuvre de bon sens et nous simplifions la vie de nos concitoyens. Merci, Madame Defraigne. Madame Katabi. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, en effet, si le Sénat et le niveau fédéral a bien compétence pour légiférer en la matière, il n'en reste pas moins qu'il ressort de la responsabilité des entités fédérées de mettre tous ces dispositifs en œuvre. Et c'est vrai que si en communauté flamande, ça a été dit en commission, ça fonctionne déjà comme ça, ce n'est pas le cas en communauté française, et d'ailleurs la ministre a certaines réticences par rapport à cette modification. Alors, je pense qu'il aurait été intéressant, eu égard à ces différences, de procéder à des auditions. La commission l'a refusé, c'est pourquoi mon groupe va soutenir, moyennant une abstention, ce texte, puisqu'en effet, il aurait été éclairant de connaître les raisons des réticences de la ministre en charge de la mise en œuvre de ces dispositions en communauté française. Je vous remercie. Monsieur Mahou. Madame la Présidente, pas en réaction par rapport à cette intervention, mais simplement pour considérer que la loi que nous avons votée et son application par les communautés mériterait, me semble-t-il, une évaluation. Je crois que c'est indispensable. Vous savez, j'ai entendu des choses un peu particulières, par exemple de voir des candidats à adopter se voir répondre que ils n'étaient pas en situation de pouvoir adopter parce qu'ils ou elles n'avaient pas fait le deuil d'une parenté naturelle, d'une parenté biologique. Je trouve que, quand même, des phrases pareilles interpellent, évidemment, et que, de la part peut-être de certains membres de ces organismes qui sont chargés de faire les formations, il y a quand même, me semble-t-il, des positions qui sont prises et qui dépassent largement les compétences qu'on leur a accordées, et que on ne demande pas de délivrer des certificats de possibilité de paternité. Sans ça, en ce qui concerne les paternités qui ne seraient pas liées à l'adoption, il faudrait effectivement avoir des démarches largement intrusives. Donc vraiment, je plaide pour une évaluation des méthodes qui sont appliquées dans les communautés, et peut-être une révision des décisions que nous avons prises à un certain moment. Madame Katabi, puis oui. Madame Defraigne. Je rejoins totalement M. Mahou dans ses préoccupations, et précisément, ça me conforte et me renforce dans l'idée qu'il aurait été intéressant d'avoir un débat préalable, alors, parce que je pense que la ministre aurait été intéressée d'entendre, M. Mahou, les exemples que vous donnez, et d'échanger avec nous, et le cas échéant, si nous n'avions pas réussi à la convaincre de nous suivre, l'inverse pourrait peut-être être vrai. Mais donc, voilà, j'annonce donc que mon groupe soutient, moyennant une abstention eu égard à cette réserve. Merci. Madame Defraigne. Mais je veux rejoindre Madame Katabi dans son analyse. À partir du moment où nous avons fait vérifier scrupuleusement par le Conseil d'État que nous étions bien dans le cadre des compétences fédérales et où le Conseil d'État s'est prononcé, je ne vois pas en quoi je peux comprendre le souci peut-être d'ordre politique ou diplomatique de Mme Katabi vis-à-vis de sa coreligionnaire, mais je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où la compétence était tranchée, il aurait fallu entendre préalablement le point de vue des communautés. Nous sommes dans notre sphère de compétences, nous avons décidé que
cette seconde préparation, c'est quand même le terme préparation, alors que c'est quelque chose que les auteurs du projet parental connaissent déjà, n'avait pas, s'ils le souhaitaient, lieu d'être. Moi, je suis quand même effarée quand j'entends le coût que ça représente pour certaines familles, de me dire que certains tirent peut-être un avantage non négligeable de ces formalités administratives que l'on impose à des familles alors qu'elles ne s'avèrent pas nécessaires. J'ajoute aussi, dans la foulée de ce que M. Mahou vient de dire, que effectivement, on pourrait avoir une évaluation de ces tests qui sont finalement imposés. Cette évaluation, elle ne doit pas nécessairement avoir lieu ici, mais peut-être dans le cadre de la sphère de la communauté concernée. Parce que j'ai le sentiment aussi, mais c'est un autre débat, qu'il y a une véritable intrusion et qu'il y a une certaine imposition que l'on fait en donnant les données sociologiques de qui peut être un bon ou un mauvais parent. Et précisément, je fais un parallèle, une comparaison qui n'est peut-être pas raison, dans la loi que nous avons faite sur la procréation médicalement assistée, nous avons veillé à éviter des indications sociologiques qui donnent une espèce de jugement moral, qui font peser des obligations qui n'ont pas lieu d'être. Et effectivement, si dans le cadre d'une filiation, d'une procréation naturelle, on devait chaque fois dire qui a le droit ou qui n'a pas le droit d'être un bon parent, je ne sais pas, on aurait peut-être des surprises. Le débat mériterait en tout cas d'avoir lieu, parce que je pense que on serait évidemment dans des sphères et dans des nombres qui sont absolument effarants si on se mettait à juger les uns et les autres. Donc, je veux dire par là qu'à partir du moment où on prend une mesure salutaire qui rend service, je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir le point de vue, dans le cadre d'un débat préalable, de la ministre des Communautés. Autre chose est effectivement d'avoir une évaluation dans la sphère de compétence de la communauté, de cette loi qui me paraît parfois fort contraignante et intrusive pour la vie des familles. Voilà. Madame Katabine, deuxième et dernière intervention. Absolument. Oui, oui, absolument, Madame la Présidente. C'est juste, donc, il n'est effectivement pas question de remettre... Il n'était pas question de remettre en question la compétence fédérale en la matière. J'ai commencé en disant que nous avions la compétence pour légiférer. Ce que j'ai juste dit, c'est qu'effectivement, pour éclairer nos travaux, comme on le fait pour de nombreux autres textes, on aurait pu entendre les personnes responsables de la mise en œuvre de ce texte. Et il ne s'agit pas de défendre ma co-religionnaire, comme le laissait entendre Madame Defresne, mais je constate juste que, forte de ses certitudes, la majorité a décidé de voter le texte sans procéder à aucune audition. C'est tout ce que je disais. Merci. Verlangt nog iemand het woord in de algemene discussie? Nee, dan wordt afgesloten. De bespreking is gesloten. Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen. Artikel 1, geen opmerking aangenomen. Artikel 2, geen opmerking aangenomen. Artikel 3, geen opmerking aangenomen. En wij zullen later stemmen over het geheel van deze tekst. En dit brengt ons terug naar het eerste punt van de agenda vandaag, namelijk de mondelingenvragen. En la première question à l'ordre du jour est la question de monsieur Laouesh, au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, sur la prime de départ anticipée de 1,2 million d'euros de M. Mariani, CEO de Dexia, et c'est M. le Premier ministre qui répondra. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, la presse a relaté ce mercredi le souhait qu'aurait exprimé M. Mariani, actuel CEO de Dexia, de recevoir une prime parachute dorée d'1,2 million d'euros si son contrat devait prendre fin anticipativement. Le même jour, un communiqué belga a indiqué que M. Mariani démentait cette information, si bien que les informations sont devenues aujourd'hui contradictoires. Chacun se souvient de l'intervention des pouvoirs publics pour sauver Dexia, comme d'autres institutions financières. Cette intervention était d'ailleurs nécessaire et trouve sa cause dans les dérives d'un système financier insuffisamment régulée. Cette intervention n'est pas sans conséquence puisqu'elle a alourdi
notre endettement public et par conséquent notre charge d'intérêt qui est au final supportée par les citoyens. Alors cette annonce d'un parachute doré d'1,2 million d'euros apparaît dans ce contexte indécente et inconvenante. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous aider à clarifier cette situation et nous indiquer ce que pourrait être l'attitude du gouvernement dans ce dossier? Je vous remercie déjà pour votre réponse. Merci. La parole est au Premier ministre. Madame la Présidente, chers collègues, hier j'ai clairement communiqué ma position que je redis et que je répète. Cette question à propos de M. Mariani doit certes être discutée avec les actionnaires français, mais ma position est claire, pas de parachute doré. Une telle indemnité de départ est immorale. Après les efforts importants que l'État belge et les citoyens fournissent, le secteur financier doit aussi se rendre compte qu'il y a des limites à la cupidité. J'ai défendu ma position contre le parachute doré à l'occasion de ma visite au président Nicolas Sarkozy et au Premier ministre Fillon à la fin février. Ils étaient d'ailleurs totalement d'accord avec cette position. Et ma position est également en ligne avec ce qui figure dans notre accord de gouvernement. Par ailleurs, dans le rapport annuel de Dexia, il est indiqué que c'est le conseil d'administration qui fixera l'indemnité de sortie de M. Mariani. Le Conseil devra, pour ce faire, tenir compte, c'est écrit, des règles du Code de Corporate Governance français du MEDEF, l'organisation patronale française. Ce code estime, et je le cite, « Il n'est pas acceptable que des dirigeants dont l'entreprise est en situation d'échec ou qui sont eux-mêmes en situation d'échec la quitte avec des indemnités. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que Dexia S.A. est une entreprise en situation d'échec. Comme je l'ai déjà indiqué, la décision devra évidemment être prise en concertation avec les actionnaires français, mais je ne doute pas que ceux-ci vont respecter le code de conduite tel que prévu dans le rapport annuel de Dexia. Quant au départ du CEO et du président de Dexia SA, ces départs sont prévus. La date exacte n'est pas encore définitivement fixée, mais les décisions devront se prendre prochainement. Concernant Belfius, là aussi, je ne peux pas m'imaginer que le statut financier et les indemnités de départ des membres du comité de direction ne soient pas conformes à l'accord du gouvernement. Pour rappel, l'accord du gouvernement dit ceci: il faut s'assurer pendant toute la durée du soutien financier public, consistant notamment en participation de capital ou garantie à une institution financière, dans un cadre légal conforme à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il faut s'assurer qu'aucun administrateur exécutif ou non exécutif et membre du comité de direction ne pourra bénéficier de stock options, d'actions gratuites, de bonus ou d'avantages similaires, golden handshake, ni aucune retraite chapeau, entre parenthèses, sans effet rétroactif dans le dernier cas. Le gouvernement prépare actuellement une législation à cet égard. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Laouèche. Madame la Présidente, je remercie Monsieur le Premier ministre pour la clarté de sa réponse. Merci, Dan Clos. À l'ordre du jour est la question de Monsieur Miller au ministre des Entreprises publiques, de la politique scientifique et de la coopération au développement sur la situation humanitaire en Syrie. Vous avez la parole.
Bonjour, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, dans un communiqué de presse récent, vous avez évoqué votre intention de réserver 2 millions d'euros aux organisations humanitaires partenaires de la Belgique afin que celles-ci puissent intervenir et apporter une aide supplémentaire en Syrie, si cela est approuvé par le Conseil des ministres. Comme vous l'avez signalé, ces 2 millions d'euros, Monsieur le ministre, s'ajouteront au financement alloué aux acteurs humanitaires et au fonds d'urgence flexible. Nous déplorons la situation humanitaire extrêmement inquiétante qui touche la population civile, victime des violences, n'a pas accès aux besoins de première nécessité. Cela est le cas dans certaines villes syriennes, notamment à Homs, où il est difficile pour les ONG et pour les agences humanitaires d'y faire parvenir leur aide. La situation au niveau des frontières syriennes est également alarmante. Il y aurait actuellement, fin avril, 61 000 réfugiés syriens dans les pays limitrophes de la Syrie. Je soutiens et nous soutenons évidemment la nécessité de venir en aide à la population civile en aidant ces agences et ces organisations humanitaires avec qui la Belgique a l'habitude de collaborer en raison de leur expérience sur le terrain et de leur respect des critères généraux de neutralité, d'intégrité, de transparence, d'efficacité et d'efficience. Monsieur le ministre, vous avez expliqué attendre que l'accès au territoire soit suffisamment sécurisé pour que les organisations humanitaires puissent intervenir correctement. Les critères de sécurité sont-ils acceptables aujourd'hui afin que ces organisations puissent intervenir dans les zones où la situation humanitaire est critique et que la protection du personnel des organisations soit assurée ? Étant donné que le plan Annan qui prévoit l'accès humanitaire n'est pas respecté par le régime d'Al-Assad, je voudrais savoir de quelle manière ces organisations interviennent, s'il existe des pauses humanitaires, afin que les organisations puissent intervenir efficacement, notamment dans les villes ou dans les provinces assiégées. Par ailleurs, vous avez également, Monsieur le ministre, mentionné dans ce communiqué les principes et bonnes pratiques pour l'aide humanitaire en évoquant la possibilité de mobiliser des moyens militaires à des fins humanitaires. Je souhaiterais savoir quelles dispositions seraient envisagées afin de mobiliser ces moyens militaires si ce type d'intervention devait toutefois avoir lieu et connaître votre avis sur le danger que peut représenter ce type d'intervention malgré l'urgente nécessité de venir en aide aux populations civiles. Je suis bien conscient, Monsieur le ministre, que cette dernière question soulève des débats récurrents dans l'aide humanitaire, à savoir d'un côté l'impuissance de ne pas pouvoir intervenir directement, de l'autre la partialité qui pourrait peut-être servir l'intérêt de l'oppresseur. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter. Merci. Merci, Monsieur Miller. La parole est au ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Miller, j'ai en effet déclaré le 17 avril dernier que j'avais décidé de réserver dans le budget de la coopération une enveloppe de 2 millions d'euros pour venir en aide aux victimes des violences en Syrie. Vu la situation de crise et l'urgence humanitaire, il me semble fondamental que la Belgique soit prête à apporter une aide supplémentaire pour venir en aide à ces victimes. Je précise que ce montant s'ajoutera au financement annuel alloué par la Belgique aux acteurs humanitaires et aux fonds d'urgence flexibles. Si le plan Anna prévoit en effet un accès humanitaire sur le territoire syrien, et si l'on peut douter aujourd'hui de l'application régulière de ce plan par les autorités et l'opposition syrienne, il ne faut pas oublier que les organisations des Nations Unies ne sont pas les seules à être actives dans l'assistance humanitaire. D'autres acteurs importants sont déjà présents, comme le Comité international de la Croix-Rouge, le seul acteur international encore aujourd'hui à être réellement opérationnel dans les interventions humanitaires en faveur des populations syriennes touchées par ces situations de violence armée. Il est également bon de savoir qu'UNRWA est aussi opérationnel en Syrie pour fournir de l'assistance aux réfugiés palestiniens présents sur le territoire depuis de nombreuses années. Le travail humanitaire est rendu compliqué par le manque d'accès, mais de l'assistance est bel et bien fournie. En outre, le président du CICR, Jacob Kellenberger, s'est rendu en Syrie les mardis et mercredis 3 et 4 avril. Il y a rencontré le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé, et des engagements positifs ont été pris par les autorités syriennes en matière d'accès humanitaire. Les autorités syriennes ont donné leur accord de principe concernant l'extension de la présence et des activités du CICR en Syrie. Elles ont également donné un accord au sujet des modalités de déclenchement de pause dans les combats pour permettre l'assistance humanitaire. Le CICR aura l'initiative de demander le cessez-le-feu dès qu'il en aura besoin. Il ne fait aucun doute que ces accords ont pu être engrangés au regard de la neutralité et de l'indépendance reconnue du CICR.
Quant à ma référence au Good Humanitarian Donorship, elle vise à appuyer l'approche défendue notamment par les pays de la région, à savoir éviter que des moyens militaires soient mobilisés à des fins humanitaires. Je rappelle qu'en adhérant à ces principes en 2003, la Belgique s'est engagée, je cite, à veiller à ce que ce soit selon les modalités conformes au droit international humanitaire et aux principes humanitaires que soit délivrée cette aide. Ça revient à réaffirmer le rôle de premier plan qui revient aux organisations civiles dans le rôle de l'action humanitaire et de retarder donc aussi longtemps que possible l'utilisation de ressources militaires et de préférence ne pas y faire appel du tout. Pour les organisations humanitaires, une insécurité accrue rime avec un accès réduit à des zones où la population peut avoir besoin d'une assistance humanitaire, dans des contextes très difficiles comme au Yémen ou en Afghanistan par exemple. Un nombre très restreint d'acteurs humanitaires dispose encore d'un accès régulier aux populations et peu sont donc capables de mener des interventions indépendantes. L'efficacité d'une action humanitaire indépendante, neutre, impartiale, dans les conflits armés est parfois mise en doute. Cependant, ce sont ces principes mêmes qui permettent d'atteindre les personnes prises dans les conflits armés pour leur porter protection et assistance. Et c'est parce que la neutralité, l'indépendance et l'impartialité d'une action humanitaire permet aux différentes parties du pays concerné de percevoir cette intervention comme purement et strictement humanitaire, sans agenda politique, sans agenda militaire, que les acteurs humanitaires peuvent encore y travailler dans une sécurité satisfaisante. C'est donc vraiment dans cette optique-là de renforcer l'image d'impartialité des seuls acteurs qui ont encore accès que l'on veille à bien préciser qu'il ne doit être recouru à l'intervention militaire qu'en toute dernière instance. Pour reprendre l'exemple récent de l'idée de mettre en place des couloirs humanitaires, s'ils sont compris comme l'imposition d'un espace humanitaire par des forces militaires, on peut émettre de très claires réserves quant à l'efficacité de telles mesures. En effet, une solution négociée avec toutes les parties au conflit sera toujours plus sûre qu'une solution imposée aux parties au conflit. En outre, les acteurs humanitaires sur le terrain peuvent être mis en danger par de telles solutions de type corridor. Ils perdent une perception, ils sont plus autant perçus comme des acteurs neutres et indépendants et donc peuvent être potentiellement des cibles de certaines parties au conflit. Ils peuvent éventuellement perdre aussi des avancées déjà engrangées par certains acteurs humanitaires en matière de solutions négociées. Et si des couloirs humanitaires sont sécurisés, il y a alors un grand risque de voir les zones en dehors de ces couloirs devenir de réelles zones de non-droit où tout est permis et où plus aucune négociation d'accès ne pourrait être envisagée. Vous voyez donc, Monsieur Miller, que ce sont des situations extrêmement sensibles et extrêmement délicates dans lesquelles on essaye d'intervenir avec toute la finesse et la délicatesse maximale pour préserver le peu d'intervention que quelques organisations qui bénéficient encore de cette réputation de neutralité peuvent encore, grâce à cette réputation, peuvent encore exercer sur le terrain. Monsieur Miller. Oui, merci Madame la Présidente. Je tiens à remercier vraiment au nom de notre groupe Monsieur le Ministre pour sa réponse extrêmement complète, fouillée et qui traduit bien toute la lucidité avec laquelle il affronte cette situation très, très difficile. Et donc, je tiens vraiment à remercier Monsieur le Ministre. L'incident est clos. À l'ordre du jour est la question de Monsieur Bousetta au ministre de l'Emploi sur l'immigration économique. Et c'est Madame de Koning qui va répondre à votre question. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, un petit peu de silence. Vous êtes intervenue récemment pour vous inquiéter des déficits que la Belgique doit et devra anticiper en termes de main-d'œuvre à l'horizon 2020. Vous avez déclaré à ce sujet, et je vous cite, « C'est un vrai défi pour notre pays. Nous devons attirer des candidats qui seront formés et diplômés, comme le font le Canada ou l'Australie, et qui offrent un profil différent des gens qui viennent en Belgique aujourd'hui. » Il faut bien dire que nous attirons pour l'instant surtout des gens à qui on a dit non ailleurs. Il faut une politique d'immigration économique claire, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit asociale. Fin de citation. Alors cette position doit être accueillie, à mon sens, à tout le moins pour son audace. À l'heure où certains discours en Belgique et ailleurs en Europe plaident avec insistance pour une optique inverse, votre constat me semble intéressant dans le sens où il rejoint des constats qui ont déjà été faits par le passé, et notamment par la division de la population des Nations Unies et par d'autres instances, et qui doit nous inciter, me semble-t-il, à considérer que l'immigration est un phénomène global, qu'il faut traiter de manière globale et qui doit être envisagé de manière équilibrée.
Alors, récemment, la Chambre a voté la mise en œuvre de la carte bleue européenne. Ça s'est fait également en Allemagne et d'autres pays suivent la même logique. Ces dispositifs qui visent à assouplir les conditions d'entrée et de séjour pour les diplômés, les gens qualifiés. Dans ce contexte, et dans le contexte de vos déclarations, Madame la Ministre, je souhaiterais vous poser la question suivante. Comment pourrions-nous envisager une politique d'immigration économique et quelle est l'évaluation qualitative, notamment en termes de secteur demandeur, ainsi que l'évaluation quantitative des besoins de main-d'œuvre que la Belgique devra anticiper dans les années à venir? Merci. Merci, M. Bousetta. La parole est à Madame la Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, chers collègues, comme vous le soulignez, mon propos s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur l'évolution du marché du travail dans les décennies à venir. M'appuyant sur l'évolution démographique que va connaître notre pays, j'ai pointé toute une série de conséquences parmi lesquelles la nécessité à terme de recourir à une immigration économique. En effet, le Bureau du Plan estime qu'il n'y aura plus assez de travailleurs qui arrivent sur le marché de l'emploi pour remplacer ceux qui le quittent. À 2020, seuls 80% des travailleurs qui partent à la pension seront ainsi remplacés. Cette situation aura pour conséquence de notamment faire baisser le taux de chômage de notre pays. Mais s'en tenir à ce constat reviendrait à commettre une grave erreur. Car le Bureau du Plan estime aussi que le nombre de personnes actives par pensionné ne va cesser de baisser. Alors qu'on estime aujourd'hui à 3,40 le nombre de travailleurs pour pensionné, ils ne seront plus que 3, en 2020. Et 2,23 à 2040. Si nous ne nous préparons pas à ça, cette évolution pourrait mettre à mal notre sécurité sociale, parce que son coût n'aura de cesse de s'accroître et que le nombre de travailleurs sur lesquels elle repose demeurera insuffisant. Pour y remédier, plusieurs solutions existent, parmi lesquelles le fait de veiller que à l'échelle du pays, le maximum de personnes en âge de travailleurs aient un emploi. Nous devrons prioritairement nous assurer que le nombre de demandeurs d'emploi diminue le plus possible. Dans un second temps, il nous serait nécessaire de recourir à l'immigration économique. Comme vous, je considère que l'immigration relève d'une problématique globale qu'il faut envisager de manière équilibrée et sociale. Nous parlons ici des années 2020, 2040, 2060. Aussi, je ne dispose pas à l'heure actuelle d'informations relatives à la nature des emplois recherchés. Je vous l'ai dit, je pense qu'il est essentiel que nous préparions à cette évolution pour en avoir la maîtrise. Ce devra, à mon sens, faire l'objet d'un important travail de prospection au cours de la prochaine législature. Une législature qui, je l'espère, verra la mise en place d'un gouvernement pour une durée de 40 années pleine et entière. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Bousetta. Madame la Ministre, il y a au moins un point sur lequel je peux être d'accord avec vous. C'est l'idée que la migration économique, si elle doit être envisagée, peut être considéré comme l'un des instruments parmi d'autres pour faire face aux enjeux du vieillissement de nos sociétés et au déficit des compétences et du travail qui l'accompagne. C'est d'ailleurs la conclusion que formule le Réseau européen pour la migration qui est situé au ministère de l'Intérieur. Et je crois qu'il y a avant cela toute une série d'autres constats à faire et d'autres démarches à formuler, et notamment en termes de meilleure adaptation des certains publics sur le marché du travail, de la meilleure adéquation de notre système de reconnaissance des compétences
Il faut aussi, si on envisage cela sérieusement, bien réfléchir aux impacts que cela peut avoir sur la formation dans les pays en voie de développement et sur l'effet en termes de brain drain, d'exode des cerveaux. Et donc il y a toute une série de problématiques associées à cette question qui doivent être solidement réfléchies, même si l'ouverture de ce débat, qui, je l'ai dit tout à l'heure, est pour le moins audacieuse, nous permettra, je crois, de continuer à mener ce débat fort important pour l'avenir. Merci, Don Claude. Alors, du jour, en dehors des vragen van collega Tommelijn, aan de minister van Werk over de gelijkschakeling van de werknemersstatuten. Het woord, collega. Mevrouw de minister, op 9 juli 2013 verstrekt de deadline die het arrest van het verantwoordelijk hof aan de wetgever heeft opgelegd om de verschillen tussen opzegtermijnen van arbeiders en bedienden met dezelfde anciëniteit weg te werken. Door dit arrest wordt er nu zwart op wit door de belangrijkste gerechtelijke autoriteit van het land bevestigd dat de verschillen tussen arbeiders en bedienden discriminerend zijn. Het voordeel van het arrest is dat men de gelijkschakeling van de werknemersstatuten niet meer naar de Griekse kalender kan verwijzen. Niet handelen zou desastreuze gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt en het investeringsgedrag van ondernemingen. Op bijna 1 jaar voor de eindmeet is het verdacht stil rond dit dossier. Vanuit de groep van 10, het topoverlegorgaan van de sociale partners, vernemen we niets. Ik volg dit dossier al vele jaren op en heb hieromtrent in het verleden reeds concrete voorstellen neergelegd. De regering, mevrouw de minister, moet naar mijn ervaring de nodige druk leggen op de groep van 10 en erop toezien dat de tussentijdse deadlines worden gehaald. Zo niet zal er naar al de gewoonte rond dit dossier helemaal niets gebeuren. Ik breng toch ter herinnering dat de regering zich heeft voorgenomen het eenheidsstatuut af te ronden tegen de hakbeeldatum die het grondwettelijk hof heeft opgelegd. Deze hervorming is broodnodig. Een modernisering van de werking van de Belgische arbeidsmarkt en van de Belgische arbeidswetgeving zouden toch een enorme stimulans kunnen betekenen voor de economie. Ik had u dan ook graag volgende vraag gesteld. Kan u toelichten welke de stand van zaken is wat betreft het uitwerken van een nieuw werknemersstatuut en dit zowel wat betreft tussentijdse akkoorden als wat betreft de verdere agenda tussen nu en 9 juli volgend jaar. Wie moet wat doen en tegen wanneer? En kunt u ook zeggen welke de minimale verworvenheden moeten zijn voor u als minister tegen 9 juli 2013 en dit zowel wat betreft de arbeidsmarkthervorming als wat betreft de arbeidswetgeving? En maakt u zich sterk dat de deadline zal worden gehaald. Het woord is aan mevrouw de minister. Beste collega Tommelijn, ik kan u geruststellen. Het betekent niet dat de stilte rond het dossier van de harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut niet betekent dat daaraan niet wordt gewerkt, in tegendeel. Wie is er allemaal mee bezig? De regering, de sociale partners, de administratie van de FOTWAZO en ikzelf op mijn kabinet. We zijn er ons terdege van bewust dat dat een heel belangrijk dossier is. We zijn ons ook bewust van de deadline die moet gehaald worden. Maar ik meen ook dat dit dossier vandaag niet gebaat is met publieke verklaringen. Ik ben uiteraard van plan om gevolg te geven aan het engagement dat ook in het regeerakkoord werd afgesproken. En er wordt aan de uitvoering gewerkt, maar in stilte. Zoals u zeker weet, hebben de sociale partners in het kader van de laatste IPA-onderhandelingen een schema uitgewerkt. Maar daarover is spijtig genoeg finaal geen consensus bereikt. Vandaar dat we vanuit het beleid onze verantwoordelijkheid zullen nemen om een aantal pistes aan te brengen in de mate dat de sociale partners zelf geen voorstellingen doet. Dus als zij zelf tot een akkoord komen en dat ons voorleggen, wil ik daarover discussiëren. Maar wij zijn zeker parallel bezig om voorstellen uit te werken waar iedereen dan uiteraard zoveel kan opschieten als dat ze willen. Maar we doen dat in stilte. Waarom doen we dat in stilte? Omdat sereniteit rond dat dossier, een heel oud dossier, ik denk dat er ongeveer al 4 ministers mee bezig geweest zijn, dat dat toch wel belangrijk is om een oplossing, om mogelijk een oplossing voor dit delicate dossier in overeenstemming met elkaar te vinden.
Het is een vrij groot werk. We hebben ook, om bij wijze van spreken het pompwater niet uit te vinden, zijn we ook al met de verschillende partners gaan praten. En zijn we ook aan het registreren wat is tot nu toe, wat lag er van voorstellen op tafel. Wat waren de knelpunten voor welke partners? En op basis daarvan gaan we natuurlijk een mogelijk voorstel formuleren. U weet dat de duur van de opzeggingstermijnen een heel belangrijk knelpunt is en ook het gewaarborgd loon. Maar ik ben er mij terdege van bewust dat het Grondwettelijk Hof in het arrest van 7 juli 2011 gezegd heeft dat wat er nu bestaat ongrondwettig is en dat we daar dringend een oplossing moeten voor creëren. Bovendien weten we ook dat de signalen zijn vanuit Europa dat we dat tegen midden volgend jaar grondig moeten oplossen. Er is nog wat discussie rond wat betekent een oplossing op dat moment. Kunnen we daar nog fasen in uitvoering of niet? Een van de grote problemen is, doordat we nu nog zo weinig tijd hebben, dat je natuurlijk overgangsmaatregelen, ja, dat daar steeds minder ruimte voor is. Dank u, mevrouw de minister. Meneer Tomelijn. Dank u, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Ik dank u voor uw publieke verklaring dat je uw engagement zult waarmaken en dat we tegen half 2013 effectief die deadline moeten halen. Ik ben er mij van bewust dat die publieke verklaringen niet altijd optimaal zijn en dat er in alle stilte moet gewerkt worden. Maar zoals u weet is het ook de taak van een parlementslid en ook van een meerderheidsparlementslid om regelmatig toch eens aan te porren en ervoor te zorgen dat de deadline daadwerkelijk wordt gehaald. Dus ik ben blij dat u het engagement publiek herhaald hebt. Dank u wel. Dank u, collega. Het incident is gesloten. De orde is de vraag van collega Dirk Klaas aan de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over de agressieve illegale verkooppraktijken. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste collega's, beste vice-eerste minister. Ja, ik wil toch wel een vraag stellen waar ik zelf mee geconfronteerd ben. Het is momenteel toch zo dat er in Vlaanderen echt een actieterrein is van Nederlandse, misschien zelfs Duitse oplichters die gekende horecazaken misbruiken om dan vooral senioren, niet alleen senioren, collega Ancho, ook iets jongere personen, om die naar fraudeleuze verkoopdagen te lokken. En dit via allerhande misleidende promoties en beloften waarvan achteraf echt niks blijkt van waar te zijn. Ik weet niet, collega Ancho, dat u zo een brief hebt gekregen. Ik zal hem u zelfs bezorgen. Maar dus deze brieven, meneer de vicepremier, die worden verstuurd naar mensen. Mensen moeten dan een postzegel erop plakken, het terugsturen, maar ook een telefoonnummer vermelden. En dat is toch wel belangrijk dat ze ook een telefoonnummer vermelden, want daar zit de clue natuurlijk van het misbruik. Een paar dagen voor het evenement, dat zal zogezegd doorgaan in horecazaak X, laat ons nu zeggen, dan laten die oplichters de deelnemers weten dat de locatie is veranderd en dat dat eigenlijk niet kan doorgaan daar. Maar dat ze hun zullen komen ophalen en in plaats van een halve dag, die er was voorzien voor het testen van koffie, dat ze een hele dag mee kunnen ergens naar Nederland. Daar worden die senioren dan natuurlijk onder druk gezet om in te tekenen op dure producten of diensten zoals reizen, schoonheidsproducten en zo verder. En heel wat senioren laten zich daaraan vangen. Het is zo dat deze agressieve verkoopspraktijken een beetje overal in Vlaanderen al voorkomen. Ik weet niet in Wallonië, maar zeker in Vlaanderen heb ik al van verschillende zaken weten. Minstens een tiental op dit moment. Ze zijn eigenlijk moreel verwerpelijk, maar bovendien illegaal. Ik stel me dan ook de vraag op welke manier deze bedrijven aan die adresgegevens komen van deze senioren. En die verkooppraktijken leid ik me toch wel in strijd met de wet van 25 juni 1993 betreffende uitoefening en organisatie van de ambulante handel en de kermisactiviteiten. En ook betreffende de wet van 6 april betreffende de marktpraktijk en de consumentenbescherming. Volgende vraag had ik graag gesteld aan de vicepremier. Is economische inspectie van deze praktijken op de hoogte? Hoeveel klachten zijn er reeds binnengekomen? En kan de economische inspectie ook preventief optreden? Want ja, dat gaat maar door. Die activiteiten van die Nederlandse firma, die komen altijd maar terug. Kan de verhuurder van de zaal waarin deze praktijken eventueel plaatsvinden,
mee verantwoordelijk gesteld worden. Zelfs als die niet op de hoogte was van het voorwerp van het evenement, want meestal huren zij een zaal, maar ze zeggen niet aan u wat ze in die zaal komen doen. Overweegt de minister bijkomende maatregelen om eventueel op te treden tegen die praktijken, eventueel samen met de collega's van Nederland of andere landen? Dank u. Dank u, collega. Het woord is aan de minister. Mevrouw de voorzitter, waarde collega. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling, dat is de naam voor de Economische Inspectie vroeger, is op de hoogte van deze praktijken die gepaard gaan met pogingen tot verkoop van dure producten en diensten van overigens bedenkelijke kwaliteit. Deze aangelegenheid heeft enkele keren de pers gehaald. De FOD-economie heeft via het radioprogramma Inspecteur de Kaluwe en de geschreven pers ook een aantal preventieve boodschappen gelanceerd. En tot op heden hebben we 11 klachten ontvangen. 11. De Economische Inspectie volgt het dossier op de voet, vaak in samenwerking met de lokale politie en heeft reeds bepaalde acties en busreizen kunnen verhinderen. Is tussengekomen, ook preventief in een aantal zaken. In sommige gevallen werden de busreizigers er bij het opstappen van de bus van verwittigd dat ze wellicht het voorwerp zouden uitmaken van agressieve verkoopspraktijken, waarna de betrokkenen wijselijk beslisten om niet deel te nemen aan de uitstap. Er is een informeel contact geweest bij de Nederlandse Consumentenautoriteit, omdat wanneer dat Nederlanders zijn, de wet de Nederlandse wet van toepassing is en de Nederlanders eigenlijk moeten vervolgen. En na samenstelling van een volledig dossier met in België gedane vaststelling zal desnoods een formele vraag tot samenwerking worden gericht aan de Nederlandse collega's. Een formele vraag betekent dat Vlaanderen, dat België in dit geval, dat België vraagt aan Nederland om samen op te treden. Hè, waarbij de instructie hier een deel gebeurt en dan de zaak naar hen wordt gegeven. Het zijn inderdaad misleidende en agressieve verkoopspraktijken. Die zijn verboden door de wet, dat is strafrechtelijk. U hebt gevraagd wat de positie is van de verhuurder van de zaal. Die is enkel verantwoordelijk wanneer hij dat bewust doet. Wanneer hij dat niet weet, dan is hij ook niet strafrechtelijk aansprakelijk. Dat zijn de feiten die wij hebben daaromtrent en die dus in elk geval niet aan de aandacht van de Economische Inspectie ontsnapt zijn. Oké, dank u wel. Dank u, meneer de minister, meneer Kaas. Ja. Ik dank de vicepremier voor dat duidelijk antwoord. Ik denk dat het goed is dat zijn administratie daarvan op de hoogte is, ook al opgetreden heeft. En laat ons hopen dat we het preventief zo ver krijgen dat die zaken niet meer georganiseerd worden en niet meer in de toekomst zullen voorvallen. Dank u wel voor de inzet van uw dienst. Het incident is gesloten. L'ordre du jour est la question de madame Defraigne à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'égalité des chances sur la carte cannabis. Madame la ministre, les critères d'accès aux coffee shops néerlandais ont donc été renforcés dans les provinces qui sont frontalières avec notre pays, c'est-à-dire la Zélande, le Brabant septentrional et le Limbourg, qui, moi comme liégeoise, me concerne tout particulièrement et nous intéresse, puisque les coffee shops ne sont plus accessibles qu'aux personnes résidant aux Pays-Bas à partir du 1er janvier 2013, ces mesures seront étendues à tout le territoire néerlandais. Alors, vous l'avez déclaré vous-même, ce ne sera pas sans incidence et sans conséquence sur notre pays et on risque de voir augmenter chez nous des cultures de cannabis, des ventes illégales et des phénomènes de rabatteurs sur les autoroutes. Alors, vous avez annoncé plusieurs mesures qui sont intéressantes, notamment une collaboration plus intense entre les services de police belges et néerlandaises, des opérations d'envergure menées avec la collaboration des pays voisins et une présence policière accrue autour des villes, comme Maastricht, j'imagine, visées par rapport au Limbourg et le long des frontières. Alors, voilà, je voudrais connaître votre calendrier et savoir si des mesures ont déjà été
IC-ETINC mise en œuvre. Et alors, combien d'agents vont être affectés à ces missions, plus spécifiquement au contrôle des autoroutes? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments relativement aux opérations d'envergure qui sont menées? Et à partir du moment où tout le territoire néerlandais sera concerné en janvier 2013, est-ce qu'il y a des mesures supplémentaires, complémentaires ou renforcement des mesures actuelles qui sont envisagées? Vous comprendrez qu'effectivement, comme liégeoise, je suis particulièrement attentive à ce qui va se faire, puisque le problème de la toxicomanie dans une grande ville comme Liège est un problème prégnant et que nous essayons de juguler et nous essayons de trouver tous les moyens de lutte possibles. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre. Voilà, je vous remercie pour votre question qui vient à point nommé, puisque c'est à partir du 1er mai que les Pays-Bas ont modifié leur législation et que seuls les ressortissants hollandais peuvent se fournir en cannabis dans les coffee shops, dans un premier temps pour les coffee shops le long de la frontière, et à partir du 1er janvier 2013 dans tout l'ensemble des Pays-Bas. Alors, pour anticiper les choses, j'ai pris contact et j'ai rencontré pendant toute une soirée le ministre hollandais de la Justice et de l'Intérieur, à l'époque où il s'agissait encore d'un gouvernement qui n'était pas en affaires courantes, pour organiser ensemble la manière avec laquelle nous allions coordonner nos réponses policières. Parce que, tant du côté hollandais que du côté belge, évidemment, on craint, et d'ailleurs certains phénomènes avaient déjà eu lieu ces derniers temps, un déplacement de la vente illégale, la problématique de l'augmentation des plantations de cannabis au niveau belge, aussi toute la recrudescence de drugs runners, donc des rabatteurs et autres phénomènes liés à la drogue. Donc ce que nous avons décidé, c'était d'organiser de manière opérationnelle les choses. Nos équipes de la police fédérale, de la police locale belge et nos homologues hollandais se sont rencontrés pour établir un plan d'action, des actions communes. Nous, de notre côté, avec la police fédérale, j'ai reçu les différents bourgmestres qui sont situés, dont les communes sont situées tout le long de la frontière hollandaise. Donc ça allait de Liège, et on a y compris d'ailleurs le chef de corps de Liège, Fouron et toutes les communes le long du Limbourg, pour voir comment nous coordonnions nos efforts également. Et donc, de manière opérationnelle, au-delà de toute la campagne de sensibilisation qui est organisée par les Hollandais, mais sur le sol belge, pour prévenir des changements et du renforcement de la présence policière, etc. Donc, on a intensifié notre collaboration, notamment avec un échange continu d'informations entre les deux polices pour éviter les déplacements de criminalité. On a une augmentation de la présence des polices néerlandaises et belges autour des villes comme Maastricht et le long des frontières, au travers d'une hausse des contrôles visibles. Et pour toutes les communes voisines de Lanaken, Rimst, Voeren, donc Fouron, Maasmechelen, elles pourront collaborer avec le corps d'intervention du Limbourg avec un renfort de 20 inspecteurs qui peuvent être mis sur le terrain de manière flexible. Donc on a renforcé la capacité de soutien fédéral au-delà des efforts faits par chacune des zones. Alors, il y a la mise en œuvre d'un plan opérationnel intégré qui est mis en place par la police locale et fédérale également, en concertation avec les bourgmestres, les procureurs du roi des provinces de Limbourg, d'Anvers, de Flandre orientale. On a une augmentation des contrôles de la police des chemins de fer et de la route, bon, deux autres département de la police fédérale. On a aussi la mise à disposition des chiens antidrogues par la police fédérale, donc on a aussi renforcé ce soutien-là, et la campagne évidemment de sensibilisation. Et puis nous avons aussi prévu d'intensifier les opérations d'envergure de type étoile, qui sont menées en collaboration avec les autorités des pays voisins et qui visent spécifiquement la lutte contre le trafic et le tourisme de la drogue. Et l'idée est évidemment d'avoir des opérations d'envergure visibles pour donner des messages clairs.
Donc voilà où on en est. Je vais la semaine prochaine à Lanaken pour rencontrer les policiers sur place, voir comment se passe la collaboration. Mais je pense que tant en termes de collaboration avec les Hollandais qu'en termes de collaboration police locale, police fédérale, nous sommes arrivés à des choses assez efficaces et des capacités aussi de déploiement d'effectifs dans le cadre des enveloppes que nous avons. Merci, Madame de Frey. Oui, je remercie Madame la Ministre pour ces réponses. Donc, j'ai noté notamment que 20 inspecteurs fédéraux allaient être délégués. J'imagine que ça reste dans le cadre, qu'il ne s'agit pas d'un recrutement supplémentaire. Donc, c'est dans l'enveloppe. Mais donc, OK. Ça va, mais évidemment, c'est un dossier que nous allons suivre de près. Puisque les ravages de la drogue venant des Pays-Bas est quelque chose que notre jeunesse, particulièrement dans ces villes comme Visée, Liège, nous subissons. Merci d'un clos. L'absence de ministre pour l'instant, je propose que nous traitions de la proposition de résolution sur l'attitude belge concernant la priorité du droit à la santé lors des négociations d'accords commerciaux entre l'Union européenne et les pays en développement. Et la rapporteuse est Madame Arena. Vous référez à votre rapport écrit. J'en prends note. Wie komt er tussen in de algemene bespreking? Mevrouw Van der Meers. Enkel opmerkingen in dit kader dat het beschikbare budget voor gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden, dat dat niet zozeer in de eerste plaats afhangt van de inkomsten van die landen wat gesteld toch wordt, maar ook van politieke prioriteiten die ze trouwens zelf leggen in het toewijzen van de budgetten, weliswaar soms mindere budgetten, maar er moet ook een prioriteit voor gesteld worden. En dus als er te weinig geld wordt gegeven aan gezondheidszorg, dan komt dat ook wel voor een deel, omdat die gezondheidszorg niet de prioriteit krijgt in die bepaalde landen die het zou moeten toekomen. Dat is toch wel een randbemerking die ik hier even wou maken. Dank u, collega. Wenst iemand anders tussen te komen in de algemene discussie rond deze resolutie? Er wordt gebeld. Moet het dus nog niet worden? Nee, er is niemand anders die wenst tussen te komen. Dan is de bespreking gesloten en we zullen later stemmen over deze tekst. Het volgende punt. Dan is aan de orde een volgende resolutie. Voorstel een resolutie over de statusverhoging van de Algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel om haar rang te verhogen tot die van diplomatieke zending. En de rapporteur is meneer Rancio. Voorzitter, collega's. De commissie heeft het voorstel van resolutie of de voorstellen van resolutie van mevrouw Arena en mevrouw Mats besproken op haar vergadering van 17 april 2012. We zijn begonnen met een inleidende uiteenzetting van mevrouw Arena, auteur van het voorstel van resolutie, dat uiteindelijk ook de basis is geweest van de discussie. Mevrouw Arena verwees naar het feit dat op 14 juli 2011 deze Senaat zonder één tegenstem een resolutie heeft aangenomen waarin de Belgische regering wordt verzocht de Palestijnse staat zo vlug als mogelijk te erkennen, zoals een heel deel andere staten dat reeds heeft gedaan. Gelet op die resolutie lijkt het wenselijk de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in Brussel te verhogen.
De jongste jaren heeft de Palestijnse overheid immers herhaaldelijk een dergelijke verhoging aan de Belgische overheid gevraagd, maar vooralsnog zonder resultaat. Nadien, ja, België heeft de Palestijnse vertegenwoordiging sinds 6 februari 1993 de status van algemeen Palestijnse afvaardiging toegekend. En inmiddels hebben andere landen al een statusverhoging doorgevoerd. Status van de Palestijnse afvaardiging verhoogd. Bij gevolg vraagt mevrouw Arena dat ons land zich aansluit bij die ontwikkeling binnen de Europese Unie. Mevrouw Mats, die oorspronkelijk ook auteur is van de voorstel van resolutie 5-1233-1, sluit zich hier volledig bij aan en vraagt eveneens dat er een verhoging komt van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging. De indienster vraagt dat de Belgische regering dringend alle nodige maatregelen treft om de leden van de Palestijnse vertegenwoordiging in Brussel diplomatieke voorrechten toe te kennen die vergelijkbaar zijn met die welke de meeste Palestijnse vertegenwoordigingen binnen de Europese Unie genieten. Er is dan een algemene bespreking geweest. Ik moet ook zeggen dat mevrouw Arena en mevrouw Mats dat ook gemeenschappelijk goed hebben voorbereid. En dat op basis van het voorstel van mevrouw Arena er ook een aantal amendementen zijn ingediend, zodanig dat we mogen spreken van een gemeenschappelijk gedragen voorstel. Ik zelf sloot me aan bij dit gemeenschappelijk voorstel en eveneens de heer De Bruin heeft de aanmoediging, heeft dit ook een belangrijke aanmoediging genoemd van de Palestijnse entiteit op weg naar het naar een volwaardig lidmaatschap van de Verenigde Naties. En ook vanuit de oppositie, dus vanuit de N-VA, werd er steun toegezegd voor deze resolutie. De vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken heeft aangaande de statusverhoging nog enkele concrete meldingen gedaan, waar de commissie uiteindelijk ook rekening mee heeft gehouden. Mevrouw de voorzitter, we zijn dan overgegaan tot de bespreking van de amendementen en we hebben met de commissie ook de eindstemming aangevat en afgerond, waardoor het voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de Algemeen Palestijnse Afvaardiging in Brussel om die rang te verhogen tot die van diplomatieke zending na amendering eenparig werd aangenomen door de 9 aanwezige leden. Bij gevolg meen ik dat er een kamerbrede steun is voor deze resolutie. Dank u. Dank u, collega Assoff, voor uw verslag. Dans la discussion générale, j'ai déjà inscrit Madame Mats, ensuite Madame Arena, puis Monsieur Brocci. Madame Mats, vous avez la parole. En dan mevrouw Van der Meers, en dan... Ja. Madame la Présidente, chers collègues, la proposition de résolution que nous venons aujourd'hui soumettre à votre assentiment concerne la représentation palestinienne en Belgique et plus précisément le rehaussement de son statut. Dans quelques semaines, l'histoire retiendra que la Cisjordanie et la bande de Gaza, soit plus de 4 millions de Palestiniens, demeurent sous occupation israélienne depuis maintenant 45 ans. 45 ans d'un conflit qui ne dit pas son nom et une occupation dont il est fort à craindre qu'elle perdure encore de nombreuses années, à défaut de reprendre le chemin de négociation, est-ce que s'inscrire dans une volonté déterminée d'aboutir. Les efforts nécessaires à la reprise de ces négociations, la Belgique les a toujours soutenus et continuera à les soutenir. Comme l'accord du gouvernement le stipule, la Belgique, sur base des conclusions du Conseil du 8 décembre 2009, portant sur le processus de paix au Proche-Orient, agira en faveur de la reprise urgente des négociations en vue de parvenir à une solution fondée sur la coexistence de deux États avec l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique, d'un seul tenant et viable, coexistant dans la paix et la sécurité. Et de préciser que l'Union européenne ne reconnaîtra aucune modification du tracé des frontières d'avant 67, y compris en ce qui concerne Jérusalem, qui n'aurait pas été approuvé par les parties.
Si l'impasse reste malheureusement de mise à l'heure actuelle en termes de reprise du processus de paix, et si les conditions de vie de la grande majorité des Palestiniens, tant sur le plan économique, social, médical ou encore sur le plan du respect du droit humanitaire international, demeurent préoccupantes, il nous faut reconnaître que le train de l'État palestinien est en marche. En dépit de trop nombreuses contraintes qu'ils subissent et malgré l'absence à ce stade d'accord politique, les Palestiniens sont en effet en train de poser les bases de leur État sous la direction de Abbas. La communauté internationale et l'Union européenne en particulier y a fortement contribué, mais le mérite principal revient aux Palestiniens eux-mêmes. Ils ont réorganisé leur administration, ils ont rendu leurs finances publiques transparentes et sont parvenus en matière de sécurité et de respect de l'état de droit à des résultats incontestables qui ont été salués par la communauté internationale. Ce volontarisme affiché des autorités palestiniennes doit être souligné. Il mérite dès lors qu'on s'y attarde et qu'on l'envoie un signal fort de soutien et d'encouragement à ceux qui président aux destinées de cet État reconnu à en devenir, qui œuvre au renforcement des institutions, mais aussi à une plus grande sécurité pour leurs citoyens et à plus de transparence sur le plan de la bonne gouvernance et des finances publiques. Comme le mentionnait le rapport d'avril 2011 du Bureau du coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix, l'autorité palestinienne est prête à gouverner un potentiel État de Palestine. Dans le prolongement de nombreux rapports confirmant cet élan positif, de nombreux pays européens ont par conséquent pris la décision au cours de ces dernières années de rehausser le statut des délégations diplomatiques palestiniennes présentes sur le territoire. Ainsi en est-il de la France, de l'Allemagne, du Portugal, de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège. Au vu de ce qui précède et à la lumière des démarches entreprises par nos partenaires européens, la Belgique se doit de s'inscrire dans la même logique et donc de porter le statut de la représentation palestinienne à Bruxelles à un niveau qui soit comparable avec celui désormais en vigueur chez la plupart de nos partenaires. Cette décision impliquant nécessairement que les mesures nécessaires soient prises afin de faire bénéficier aux membres de cette même représentation des privilèges diplomatiques tels que prévus par la Convention sur les relations diplomatiques. C'est dans ce sens que nous soumettons aujourd'hui à votre vote cette proposition de résolution en espérant qu'elle bénéficie du soutien le plus large possible. Certains ne verront peut-être pas dans ce rehaussement qu'une simple mesure à caractère symbolique. D'autres encore la critiqueront en la considérant comme un encouragement adressé aux Palestiniens à rejeter toute forme de pourparlers directs. À ceux qui ne voient pas dans ce rehaussement que la seule mesure symbolique, nous répondrons que tout symbole est porteur de sens et vecteur d'un message universel. À ceux qui interpréteront cette mesure comme préjudiciable pour parler, nous répondrons que le préjudice actuel est dû principalement au non-respect des normes du droit international humanitaire et plus encore à l'absence de toute forme de dialogue constructif entre les parties concernées. Après des années d'immobilisme et de fausses promesses, il est en effet grand temps de se remettre autour de la table, car chaque jour qui passe fait reculer un peu plus les chances de paix. Le moment est donc venu de bousculer les agendas, les frilosités et les conservatismes, et cette proposition de résolution y contribue pour régler un conflit qui n'est pas régional, mais mondial dans ses conséquences. Je vous remercie. Merci, Madame Matz. Je vais consulter la réunion et consulter we hebben zes sprekers in dit debat. Ondertussen is mevrouw de staatssecretaris toegekomen. Ze heeft één vraag. Onderbreken we het debat of hebt u liever dat we doorgaan? Kunnen we het debat onderbreken? Dan zal ik graag het woord geven aan mevrouw Dwissi. Met haar vraag aan de staatssecretaris voor asiel en migratie, maatschappelijke integratie en armoedebestrijding over het Belgisch hervestigingsprogramma voor vluchtelingen. Het woord mevrouw Dwissi. Dank u wel mevrouw de voorzitter. Mevrouw de staatssecretaris, net voor de lentevakantie had ik u al ondervraagd over hetzelfde onderwerp eigenlijk. En dan heeft u mij geantwoord dat de regering de verschillende mogelijkheden aan het onderzoeken was om inderdaad voor 1 mei een structureel hervestigingsprogramma in te voeren en dat België al dus zal deelnemen aan en volgens de regels van het nieuwe Europese hervestigingsprogramma voor vluchtelingen. Dus het hervestigingsprogramma van de Europese Unie formuleert de gemeenschappelijke prioriteiten om de inspanningen van de Unie beter te richten op diegenen die het meest behoefte hebben aan hervestiging.
Er zijn twee categorieën conform de criteria van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Een eerste categorie betreft de personen behorende tot een specifieke categorie zoals niet begeleide minderjarigen, kinderen en vrouwen die gevaar lopen, overlevenden van geweld of martelingen en personen met ernstige medische problemen die enkel kunnen opgelost worden als die personen worden hervestigd. De tweede categorie, collega's, betreft de personen die afkomstig zijn uit landen of regio's die worden vermeld in de jaarlijkse hervestigingsprognose van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. En dus, mevrouw de staatssecretaris, hier kom ik natuurlijk bij u terug. We zijn vandaag 3 mei en verneem ik graag van u of u ondertussen, samen met de regering uiteraard, een beslissing heeft genomen over de prioriteitsgroep of groepen van vluchtelingen die ons land in 2013 wil hervestigen en over hoeveel vluchtelingen het per groep hoeveel vluchtelingen dat betekent per prioriteitsgroep dat we zullen hervestigen en tenslotte welke criteria ook doorgewogen hebben bij de evaluatie hiervan. Dank u wel. Dank u, collega. Het woord is aan mevrouw de staatssecretaris. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, en dank u wel aan de heren en dames senatoren om mij hier nog tussen te laten. Mevrouw Duffy, België heeft zich inderdaad geëngageerd om deel te nemen aan een hervestigingsprogramma en om in dit dossier ook op Europees niveau te steunen. De deadline voor de lidstaten om het pledgingformulier waarmee de lidstaten hervestigingsengagementen over het aantal en de samenstelling van de groep aangaan voor 2013 is echter verlaat van begin mei tot 31 mei 2012. Ik heb dus volgende week contact met mijn collega's in de regering en het is inderdaad de bedoeling om op zeer korte termijn een definitieve beslissing over het aantal personen te nemen. Wij hebben een voorstel en het is aan hen natuurlijk eerst om dat te steunen. Vanzelfsprekend, zoals u terecht aanhaalt, zullen wij ook aandacht bieden aan de opvang van de meest kwetsbare groepen. En dan denk ik aan de moeilijke groep van de niet begeleide minderjarigen, maar ook van de vrouwen met kinderen en ook van degenen die het slachtoffer geweest zijn van folteringen. Het Europees hervestigingsprogramma voorziet in financiële ondersteuning van de lidstaten die kan oplopen tot €6.000 per vluchteling indien een van die drie volgende prioriteiten werd gevolgd. De hervestigde vluchtelingen zijn afkomstig uit een land of regio waar een Europees regionaal beschermingsprogramma van kracht is. Ze behoren tot een van de kwetsbare groepen die je hebt opgenoemd. Of is afkomstig uit een regio of land die door de EU voor 2013 als prioritair werden aangeduid, meer bepaald, zoals de Congolese vluchtelingen in de Grote Merenregio, Burundi, Malawi, Rwanda, Zambia, de Irakese vluchtelingen in Turkije, Syrië, Libanon en Jordanië, Afghaanse vluchtelingen in Turkije, Pakistan en Iran en Somalische vluchtelingen in Ethiopië en Birmese vluchtelingen in Bangladesh, Maleisië en Thailand en Eritrese vluchtelingen in Oost-Soedan. Heel wat vluchtelingen dus die zich momenteel daar bevinden. In juli zal het Hoogcommissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties de prioriteiten in zaken hervestiging beter omschrijven. En op basis hiervan zullen wij ook onze prioriteiten in zaken welke nationaliteiten en welke bepaalde groepen nog verfijnen. De definitieve beslissing hierom zal moeten vallen in oktober. Wij volgen dus het tijdschema dat vooropgezet is. Wij zijn ook in contact, ik heb het ook aangekaart vorige week tijdens de Luxemburgse ontmoeting met de Benelux-collega's. Het is voor de eerste keer dat België zal deelnemen aan zo'n hervestigingsprogramma en daar gaan wij trachten zeer goed te doen, zodat dat ook in de komende jaren nog mogelijk zou kunnen zijn. Dank u. Dank u, mevrouw de staatssecretaris. Mevrouw Duffy. Dank u wel.
Ja, ik had gehoopt al te weten natuurlijk uit welke landen wij de vluchtelingen zouden hervestigen. Maar goed, dat zal dan pas over enkele maanden zijn. Maar ik begrijp dat het eigenlijk Europa zelf is die de datum vooruitgeschoven heeft, natuurlijk. Maar u bent het daar met mij eens, mevrouw de staatssecretaris. Het is natuurlijk niet minder prangend. Hè. Ondertussen zijn het aantal vluchtelingen is eigenlijk aan het oplopen, zeker uit Syrië naar Libanon, naar Turkije, naar Jordanië ook. En dus de precaire toestand van die mensen in de vluchtelingenkampen komt ook meer en meer in beeld. De reportages zien we ook. Dus aan de ene kant, het is niet aan ons, aan België natuurlijk. Wij kunnen daar niets aan doen als de datum vooruitgeschoven wordt. Maar dat betekent dat toch die mensen pas misschien tegen eind dit jaar hier zullen toekomen. Ik had gehoopt dat Europa iets sneller ging werken wat dat betreft. Maar ik vind het heel positief dat u werkt met deze regering aan een structureel gegeven, dat we elk jaar die aantallen zullen doen en de kwetsbare groepen zullen ontvangen en daar aantallen opzetten. En dat wij dus niet stilvallen in deze, maar in tegendeel eigenlijk de belofte die we gemaakt hebben tijdens het Belgisch Europees voorzitterschap, dat we willen deelnemen en actie voeren, zelfs ondernemend willen zijn om naar een Europees gemeenschappelijk vluchtelingenbeleid te zijn, denk dat we daar een zeer goede stap zetten. Dus dank u voor uw antwoord, staatssecretaris. Dank u, collega. Het incident is gesloten. En we hernemen nu het debat rond de resolutie die we daarnet hebben onderbroken. La parole est maintenant dans la discussion générale à madame Arena. Merci, madame la présidente. Merci pour le travail qui a été réalisé sur cette résolution. Alors, comme Madame Vanessa Matz l'a dit tout à l'heure, la situation de la représentation palestinienne en Belgique date de 1993, sans avoir été modifiée depuis cette date. Et pourtant, il y a eu de nombreux événements qui devraient nous engager à vouloir œuvrer pour ce redressement. Et même si nous vivons effectivement ces 45 ans d'occupation, même si il y a un blocage au niveau du processus de dialogue et de paix, même si les colonies israéliennes sur les territoires palestiniens sont en progression, nous avons un certain nombre d'indices qui montrent que le gouvernement Abbas a choisi le chemin de la paix. Il y a eu toutes les démarches du gouvernement Abbas en matière de reconnaissance au niveau des Nations Unies en septembre de l'année dernière. Il y a eu le rapport international de la bonne gestion par l'autorité palestinienne d'un futur État palestinien. Et donc la Belgique, nous pensons, ne peut pas rester en retrait par rapport à ces différentes avancées du choix de la politique de la paix au niveau de l'autorité palestinienne. Alors l'Allemagne elle-même, récemment, a revu le statut de la délégation palestinienne en Allemagne et on sait à quel point le sujet du Moyen-Orient au niveau de l'Allemagne est un sujet particulièrement sensible. Nous avons donc, par le biais de cette résolution, demandé au gouvernement de suivre la voie qui avait été initiée par un certain nombre de pays. Vanessa les a cités tout à l'heure. Je dirais même peut-être d'anticiper la position globale que l'Europe pourrait prendre par rapport à cette reconnaissance. Et donc pour nous, c'est une mesure, et vous l'avez dit Vanessa Matz, qui peut être une mesure de l'ordre du symbolique, mais en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, je pense que même le symbole est important, surtout le symbole est important, et donc la reconnaissance et le rehaussement de la délégation palestinienne en Belgique me semble être une obligation pour la Belgique pour donner, elle aussi, en tant que gouvernement belge, un message pour la paix au Moyen-Orient. Merci. Merci, madame Arena. Het woord aan mevrouw Van der Meers. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ook al heb ik de commissie niet volledig kunnen meevolgen, wil ik toch wel eventjes hier in deze plenaire vergadering opmerken dat het eigenlijk al zeer uitzonderlijk is dat een politieke entiteit, die geen staat is toch niet, toch nog een diplomatieke vertegenwoordiging heeft. Nu, waarom wordt dat voorwegend volgens mij alleen maar gegund aan Palestijnen? Waarom zou men dat ook niet kunnen gunnen aan Koerden bijvoorbeeld, of aan Basken, of aan Tibetanen? Ik denk daar bijvoorbeeld de Koerden die de facto toch een autonome staat hebben in Noord-Irak eigenlijk. En ook bijvoorbeeld de Tibetanen, die dan wel feitelijk geen autonomie hebben, maar ze zijn wel zijn alom gerespecteerd. Ze hebben een vertegenwoordiger zelf die overal legitiem hen vertegenwoordigt en is overal welkom in de persoon van de Dalai Lama.
Dus dan mijn vraag is, waarom de Koerden, Basken of Tibetanen niet? Er zijn nog veel meer volkeren dan de Palestijnse volkeren die uiteindelijk zonder staat zijn en die ook eventueel als politieke entiteit toch herkend zouden kunnen worden en diplomatieke vertegenwoordiging zouden krijgen, hetgeen toch al een voorrecht is dat ondertussen gebeurt voor de Palestijnen. Nu, ik zou mij kunnen afvragen, als ik heel stout was, of het misschien is omdat de steunbetuigingen die ik hier hoor en die dan applaus krijgen, dat kan leiden tot meer stemronselen met verkiezingen in het vooruitzicht bij allochtone kiezers. En dat de steun aan bijvoorbeeld Tibetan natuurlijk electoraal hier in ons land veel minder lonend is, terwijl zij toch die Tibetanen bijvoorbeeld of de Basken in dezelfde situatie zich bevinden als Palestijnen. Wat betreft politieke entiteit zijnde en ook rechten kunnen hebben op een diplomatieke vertegenwoordiging als het van mij afhangt. Nu, zij werken zich weliswaar minder in het nieuws dan de Palestijnen. Ik heb nog niet zoveel gehoord van Tibetanen die terreuraanslagen plegen, maar alleszins zou er toch een gelijkschakeling kunnen getrokken worden. Nu, de kwestie van de diplomatieke vertegenwoordiging van de Palestijnen zal natuurlijk herbekeken moeten worden, eens zij ooit een officiële staat krijgen. En het is inderdaad zo, meneer Alsjo, dat wij hier al erkend hebben dat het nood is aan de herkenning van de Palestijnse staat. Maar om dan nu direct de vertegenwoordiging een verhoogde status te geven, dat denk ik dat toch een stapje te snel is en te ver gaat en dat we daarvoor moeten wachten, denk ik, op het officiële statuut, namelijk die officiële staat. En tot dan is er volgens mijn fractie, geen behoefte aan een verhoogde status. In vergelijking met andere volkeren zonder staat hebben zij momenteel al, die Palestijnen, een zeer goed diplomatiek statuut. En men vergelijkt die regeling in ons land met die van andere lidstaten van de EU. Maar men zou eigenlijk moeten vergelijken, denk ik, met de regelgeving voor andere volkeren en andere etnische groepen, zoals ik die hier vandaag al opgenoemd heb. Dank u, collega. La parole est à monsieur Brocchi. Merci, madame la présidente. Madame la présidente, chers collègues, la proposition de résolution que nous allons voter cet après-midi concerne le statut de la délégation palestinienne à Bruxelles. La résolution demande que notre pays offre un statut à cette délégation comparable à celui déjà offert à l'autorité palestinienne dans les autres pays de l'Union européenne. La Belgique s'inscrit dans cette démarche. Le MR la soutiendra. La visite que fera notre ministre des Affaires étrangères dans la deuxième partie de l'année 2012 dans la région sera certainement l'occasion de conclure ce dossier, l'objet même de la résolution de notre Sénat. Je suis convaincu que ce sera le moment opportun pour faire cette démarche vis-à-vis des autorités palestiniennes. Madame la Présidente, depuis les accords d'Oslo de 1993, un embryon d'État palestinien se construit et cette construction s'est accélérée sous l'égide de l'actuel Premier ministre Salam Fayyad à la demande et avec le soutien financier des institutions internationales. Elles ont noté dans des rapports datant de l'année 2011 que le point d'achèvement de cette édification étatique était proche, d'où les débats à l'Assemblée générale des Nations unies de septembre dernier sur la reconnaissance d'un État palestinien avec un siège dans l'institution onusienne. Mais ne nous trompons pas. Nous savons que la réalité sur le terrain ne permet pas encore aujourd'hui de parler d'un véritable État palestinien avec une ambassade en bonne et due forme à Bruxelles. La paix dans la région n'est pas encore conclue, ce que je déplore très sincèrement. Et les négociations entre les parties israéliennes et palestiniennes ne sont pas très encourageantes. En effet, des contacts exploratoires en janvier dernier sont restés sans suite, et l'échange épistolaire entre le Premier ministre Netanyahou et M. Mahmoud Abbas réitère simplement les positions des uns et des autres. D'un côté, la volonté de reprendre les négociations sur tous les dossiers clés au plus haut niveau et sans préalable. De l'autre côté, un appel à la suspension de la colonisation, la reconnaissance des lignes de 1967 avec adaptation pour les frontières et la poursuite de la libération des prisonniers. De plus, nous savons qu'une année électorale présidentielle aux États-Unis n'est guère favorable à la prise d'initiative forte de la part de l'administration américaine. Et donc, soyons hélas réalistes, les négociations resteront à l'état jusqu'en 2013. Madame la Présidente,
Le rehaussement du statut de la délégation palestinienne à Bruxelles ne signifie pas la reconnaissance d'un État qui reste en devenir, d'un État que nous appelons de nos voeux, car il assurera la sécurité d'Israël et la paix dans la région. Mais un État qui n'existe pas encore aujourd'hui. Pour preuve, la délégation palestinienne à Bruxelles est avant tout une délégation de l'OLP et pas une délégation palestinienne au sens large. Nous soutenons toute initiative, tous les efforts que la Belgique peut mettre en œuvre pour faire avancer la paix entre ces deux peuples. Ces initiatives peuvent être diplomatiques. Elles passent aussi par le biais de notre coopération-développement et elles peuvent aussi se concrétiser par des initiatives citoyennes, de peuple à peuple, d'individu à individu, et c'est ce que pense très sincèrement le MR. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Brocci. Het woord is aan meneer De Bruyne. Dank u wel, voorzitter, collega's. We hebben in de commissie een interessante discussie gehad, of een interessant gesprek gehad, naar aanleiding van de resoluties die voorlagen. En ik denk dat de consensus vrij duidelijk was. De stap die we nu zetten, als we straks deze resolutie aannemen, is een logische volgende stap, die wat onze fractie betreft ook voortvloeit uit de discussie en de standpuntbepaling die we hebben ingenomen. In juli denk ik dat het was, net voor het reces, betreffende de evolutie van de Palestijnse staat naar 194e lidstaat binnen de Verenigde Naties. Een realiteit die er vandaag nog niet is, die er ook morgen nog niet zal zijn, maar waar we wel een ondersteunende en een stimulerende rol in willen spelen. Het lijkt me dan ook logisch dat we de erkenning die we zelf geven aan de diplomatieke zending van de Palestijnse autoriteit in België wat opwaarderen binnen de mogelijkheden die daar wettelijk zijn. Het voorstel zoals we het nu hebben geformuleerd komt daar maximaal aan tegemoet en kon dan ook in de commissie de steun krijgen, of kreeg dan ook in de commissie de steun van alle aanwezige fracties. Het is voor mij en voor mijn partij een belangrijke volgende stap. Het is absoluut nog niet het einde van het proces dat in zicht is zelfs maar. Maar we kunnen alleen maar hopen dat het ook door de Israëlische overheid wordt gezien als een zoveelste indicatie dat België en samen met België andere Europese landen vinden dat de weg die ingeslagen is in de richting van een twee-staten-oplossing, een volwaardige Palestijnse staat die in vrede kan bestaan naast de Israëlische staat, het einddoel is waar wij alle krachten voor moeten blijven inzetten. Dank u, collega. La parole est à madame Katabi. Je vous remercie, madame la présidente. Alors, mon groupe est heureux de voir aboutir cette résolution qui vise à rehausser le statut de la représentation palestinienne dans notre pays. Il y a d'ailleurs un lien explicite entre cette reconnaissance politique et l'éternel, j'ai envie de dire, plaidoyer d'Ecolo et de Gronde pour cette reconnaissance de l'État palestinien. Et nous voterons donc, madame Matz, avec conviction en faveur de ce texte. Alors, je vous répète, mon groupe salue donc l'aboutissement de cette résolution, mais nous ne nous en contenterons pas. Nous resterons en effet attentifs à ce que ce rehaussement du statut diplomatique ne serve à dissimuler une position chèvre-choutiste de notre gouvernement sur la scène du conflit israélo-palestinien ou d'une hésitation quelconque de la Belgique quant à une action en faveur du déblocage du processus de paix au Moyen-Orient. Alors, après des années d'évocation du conflit israélo-palestinien, on a parfois l'impression que les deux entités, Israël et la Palestine, sont sur un pied d'égalité. Il en va naturellement tout autrement. Alors certes, une reconnaissance de l'État de Palestine ne résoudra pas tous les problèmes, mais elle contribuera à tout le moins, nous semble-t-il, à rétablir quelque peu un équilibre à la table des négociations. Jusqu'à ce jour, on le sait, l'État d'Israël s'est toujours opposé à un tel équilibre, se contentant d'évoquer les territoires. Cela fait d'ailleurs des années que tant notre pays que l'Union européenne condamnent cette politique unilatérale menée par tous les gouvernements israéliens, par ailleurs illégale au regard du droit international. L'heure d'un acte politique fort a donc sonné. Et pour les écologistes, la seule position à tenir par notre gouvernement est celle d'un oui franc et clair à la reconnaissance des territoires palestiniens, victimes depuis trop longtemps d'une colonisation israélienne, d'ailleurs dénoncée vivement tant par l'Union européenne que par la Belgique. Ecolo et Groen soutiennent le droit des peuples israéliens et palestiniens à l'autodétermination, ainsi que leur droit à vivre en paix et en sécurité à l'intérieur de frontières internationales reconnues. Nous avons à plusieurs reprises exprimé notre volonté de voir la Belgique reconnaître cet État à part entière.
Par conséquent, lorsque le dossier aboutit sur la table de l'Assemblée générale des Nations unies, nous aurions voulu que la Belgique vote cette reconnaissance. Un oui de l'ONU serait un formidable coup d'accélérateur à la reprise des pourparlers de paix actuellement au point mort. J'aimerais toujours entendre de la bouche de notre ministre des Affaires étrangères qu'il nous rejoint dans cette volonté de reconnaître enfin un État palestinien. Et dans le respect du processus démocratique, je voudrais fermement inviter le gouvernement à appliquer la résolution votée par le Sénat le 14 juillet dernier et qui l'invite à procéder effectivement et dès que possible à la reconnaissance de cet État palestinien. Dans cette perspective, il nous semble qu'une autre voie d'action qui contribuerait à rétablir cet équilibre à la table des négociations serait que le gouvernement fédéral assortisse lors du renforcement de ses relations avec Israël et dans le cadre de ses relations bilatérales et dans les forums internationaux, donc assortissent ce renforcement de conditions qui permettraient d'enregistrer des avancées significatives dans le domaine du respect du droit humanitaire international et des droits de l'homme. Et je voudrais vous signaler qu'à cet égard, une résolution visant cet objectif a été déposée par mon groupe à la Chambre et je ne doute pas que la majorité réservera l'examen et la réflexion qui s'impose. Je vous remercie. Merci, Madame Katabi. Tour de la meneer Rantio. Dank u, voorzitter. Ik wil van de gelegenheid ook gebruik maken om de collega's te danken. Er werd daarnet vanuit één oppositiepartij gesteld dat steun verlenen aan de Palestijnse beweging en aan de Palestijnse zaak een electoraal opbod is. In het voordeel van, ja, omdat er hier nu eenmaal vrij veel mensen van moslims aanwezig zijn en dergelijke meer. Wel, ik vind dit een beetje plat. Ik vind, je kan met evenveel onrecht zeggen dat sommige partijen geen durf hebben in deze zaak, omdat ze de Joodse gemeenschap in Antwerpen te vriend willen houden. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een heus wel samen met het andere kan. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal collega's die hier vandaag al zijn tussengekomen, zowel van de MR als van de N-VA, bewijzen dit ook, dat het perfect mogelijk is om in respect voor de Joodse gemeenschap ook een eerlijke en correcte oplossing voor de Palestijnse gemeenschap te zoeken in het kader van een twee-staten-oplossing. Mevrouw de voorzitter, deze resolutie is een logisch gevolg, zoals al veel collega's hebben gezegd, een logisch gevolg van onze resolutie in verband met de snelle erkenning door België van de Palestijnse staat. Ik denk dat deze statusverhoging meer is dan een louter symbolische resolutie. We vragen ook echt aan de minister van Buitenlandse Zaken om hier werk van te maken. We hebben dit zelf in handen. Als het parlement dit vraagt aan de regering, gaan we er ook van uit dat de regering daar snel werk van maakt. Maar het is meer dan symbolisch, het is een duidelijk signaal naar de internationale gemeenschap dat het dringend nodig is dat er verdere stappen worden gezet in het oplossen van het Palestijnse conflict, Palestijnse kwestie. Er wordt verwezen naar andere volkeren zonder staat. Wel, veel van die volkeren, zo niet allemaal, kunnen op heel veel sympathie van mij rekenen. Maar er zijn weinig volkeren die in eenzelfde situatie verkeren als de Palestijnse gemeenschap en dit al vele, vele decennia. Als men de situatie in Gaza bekijkt, dan kan men niet anders dan beschouwen dat dit de grootste openluchtgevangenis ter wereld is, waar dat er nog altijd een bijzonder ernstig schrijnende humane situatie zich voordoet. Ik hoop dat deze Senaat met deze symbolische resoluties, die toch ook wel rechtstreeks een opdracht geven aan de regering, duidelijk signaal geeft dat wij niet willen dat de Palestijnse kwestie blijft aanslepen en dat bij gevolg, collega's, ook vele mensen misbruik kunnen maken van dit conflict. Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat daar een ernstige oplossing voor wordt gevonden, zowel in het voordeel van Israël als van Palestina, dat het internationaal terrorisme en de internationale agressie ook zal afnemen en dat er veel meer openheid en begrip zal zijn, wederzijds openheid en begrip zal zijn voor de verschillende godsdiensten en de verschillende overtuigingen die er in de wereld rondlopen. Dus het is meer dan zomaar even een electorale oefening.
een electoraal win-operatie. Dat is het niet. Ik denk dat het ook moed vraagt om hier keihard voor te gaan. En ik wil daar de collega's echt voor danken. Dank u, collega. Wenst nog iemand het woord in de algemene bespreking? Nee, dan wordt die nu afgerond en zullen we later stemmen over het geheel van deze resolutie. Dan gaan we over naar het volgende punt op onze agenda. Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik, als ook de illegale medicatie. La rapporteure, Mme Morel, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente, mais je propose de m'en référer aux documents écrits dont nous avons chacun copié. Je vous remercie. Et pour l'instant, j'ai deux personnes inscrites dans la discussion générale, M. Brocci et de Heer Van Rompuy. Y a-t-il d'autres personnes, M. Dubus, qui souhaitent s'inscrire? La parole est à M. Brocci. Merci, Mme la Présidente. Chers collègues, la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui vise à renforcer la lutte contre le trafic des produits dopants à usage humain, des médicaments illégaux et des hormones dans l'élevage. En effet, les phénomènes du dopage humain et du trafic d'hormones sont très étroitement liés. Il convenait donc de les aborder simultanément afin de pouvoir répertorier tous les problèmes qui se posent en la matière et déterminer les pistes d'action les plus efficaces. Cette résolution s'est en partie inspirée du travail qui avait été accompli par notre Assemblée, qui avait émis, en 2005 déjà, des recommandations visant à combattre le dopage dans le sport. Plusieurs recommandations émises à l'époque conservent toute leur portée. La résolution qui nous est soumise aujourd'hui nous permet, entre autres, de les rappeler. Au niveau de la détection des produits, et même si notre pays est un des pays européens à la pointe en matière de lutte contre le trafic d'hormones, il est impératif de ne pas baisser la garde. Il conviendrait ainsi, par exemple, de renforcer davantage les échanges de savoir-faire entre les laboratoires qui effectuent des contrôles antidopage et ceux qui recherchent la présence d'hormones dans l'élevage. Il est important également de poursuivre les recherches pour mieux connaître l'origine des hormones présentes dans les animaux. En effet, leur présence ne semble pas toujours le résultat d'une action humaine, mais pourrait être d'ordre physiologique. Par ailleurs, tout comme déjà en 2005, nous insistons vivement pour qu'une attention particulière soit consacrée à Internet qui facilite l'accès aux produits dopants et aux médicaments contrefaits. Les constats posés par les rapports successifs de la cellule multidisciplinaire d'hormones sur la vente par Internet de moyens illégaux renforcent la nécessité de poursuivre les actions entreprises afin de débusquer sur la toile les réseaux de trafic de substances illicites. Les recommandations de la résolution en la matière y contribueront certainement. Si la résolution vise notamment le secteur de l'élevage, il convient ici de rappeler que la toute grande majorité des éleveurs travaillent correctement et que les actions suggérées par la proposition visent uniquement à mettre fin aux pratiques de quelques fraudeurs résiduels. À cet égard, on peut lire dans le rapport d'activité 2010 de l'AFSCA que concernant les analyses portant sur les hormones et les médicaments, 20 000 échantillonnages ont donné lieu à 58 000 analyses. Les contrôles réalisés dans notre pays sont donc très nombreux. Malgré ce chiffre élevé de contrôles rigoureux et sévères, 99,2% des analyses étaient conformes. Nous pouvons donc nous réjouir de ces chiffres qui sont assurément très positifs. Rappelons également que la ministre Sabine Laruelle est soucieuse d'une concertation constante avec le secteur des éleveurs. Par ailleurs, de nombreuses mesures qui les concernent ont été prises, notamment au niveau de la traçabilité des animaux et des médicaments. La résolution se veut un encouragement à la poursuite de cette politique. La cellule multidisciplinaire d'hormones vient de publier son rapport pour 2011. Les constats posés par ce dernier viennent renforcer les recommandations de la résolution qui nous est soumise aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle mon groupe la soutiendra. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Brocci. Le tour des Indiens de Rompuy. Voorzitter, voor eerst zou ik willen zeggen dat onze fractie wel achter
de principes staat die in deze resolutie naar voren komen. Het is belangrijk dat zij die criminele feiten begaan, dat zij ook streng aangepakt worden. Wel wil ik even nog eens herhalen waarom dat wij in de commissie ons bij deze resolutie onthouden hebben. Dat is heel eenvoudig, omdat tussen de bespreking en de stemming het nieuwe jaarverslag van de hormonencel 2011 is uitgekomen en dat we daarover graag een hoorzitting hadden gehad om ook die resultaten te kunnen opnemen in deze parlementaire bespreking. Tot slot wil ik ook wijzen op het belang van het feit dat niet conforme resultaten niet zomaar mogen gelijkgesteld worden met illegale groeimiddelen en dat het ook erg belangrijk is dat bij de controles die worden uitgevoerd er voldoende aandacht is dat deze niet belastend zouden zijn voor het gezinsleven van de getroffen landbouwers. Voilà, tot daar mijn tussenkomst. Dank u, collega. La parole est à monsieur Dubus. Merci, madame la présidente. Donc, chers collègues, la proposition de résolution en vue de renforcer la lutte contre le trafic d'hormones dans l'élevage, les produits dopants à usage humain et les médicaments illégaux me donne l'occasion de rappeler et de souligner l'importance de la coordination entre les différents niveaux de pouvoir pour lutter contre ce problème, chacun en fonction de ses compétences. L'initiative qui est prise ici au niveau fédéral peut être rapprochée d'autres initiatives qui sont menées à d'autres niveaux de pouvoir. Et à titre d'exemple, je citerai la décision d'André Antoine, ministre des Sports de la Région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de faire de la lutte contre le dopage une de ses priorités. Il s'agit du décret portant sur la lutte contre le dopage du 20 octobre 2011 et en vigueur depuis le 1er janvier de cette année. Alors, sans doute le hasard du calendrier, mais la Commission Santé de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune du Parlement bruxellois votait cet après-midi, maintenant quasi, l'ordonnance relative à la promotion de la santé, à l'interdiction du dopage et à sa prévention. Alors, ce n'est pas une particularité de l'Assemblée bicommunautaire bruxelloise, mais bien le résultat d'une coordination qui existe entre les différentes communautés du pays et qui ont voté des textes analogues. Un accord de coopération est également voté en ce moment sur le même sujet, toujours en commission communautaire commune. Et donc, outre les aspects d'indispensable coordination entre les entités fédérées et fédérales sur la question du dopage, cette résolution-ci me donne également l'occasion de souligner un paramètre très intéressant de ce texte qui a été mis en lumière par l'auteur, à savoir les points de convergence entre le dopage humain et le trafic d'hormones dans l'élevage, et ce tant en ce qui concerne les groupes d'auteurs que les problèmes de détection. Et à cet égard, je souhaite rappeler l'importance de transposer le plus rapidement possible dans la législation les directives de l'organe international de contrôle des stupéfiants en ce qui concerne la prévention du trafic illicite sur Internet. Et ce, afin de mieux lutter contre le trafic des substances illicites telles que les produits dopants à usage humain et les hormones de croissance. Je vous remercie, M. Dubus. Het woord is aan collega Ancio. Dank u, voorzitter. Voorzitter, de voorzitter. Eigenlijk mag je de twee gebruiken, mevrouw de voorzitter. De resolutie die hier voor ligt lijkt me eigenlijk perfect op zijn tijd te komen. En ik dank hoofdindiener Bart Tommelijn daarvoor. Ik wil verwijzen naar de heldhaftige strijd die een van onze gemeenschappelijke vrienden ooit heeft gevoerd, met name Jacques van den Mullenbroeke, toen hormonenstrijd nog echt gevaarlijk was. Toen Karel van Oppen daarvoor gestorven is en vermoord is. Een periode waarin dat er heel veel misbruik plaatsvond en heel veel dichtgedekt werd met de mantel der liefde, hoewel dat je daar moeilijk over kon spreken. Inmiddels is er binnen ons landbouw bijzonder veel gerealiseerd en stappen vooruitgezet. En zijn er ook op gewestelijk vlak initiatieven genomen die ik absoluut ondersteun. Dat is een goede zaak. Iedereen zal erkennen dat de strijd tegen de hormonenmafia, dat die voor een groot stuk succesvol is geweest. Maar, collega's, net op het moment dat iedereen denkt, alles zit lekker, alles zit goed, dan net moeten we ook de nodige waakzaamheid aan de dag leggen. En het moet mij van het hart dat
Een persoon zoals Piet van Temsen, die ik bijzonder waardeer en waar ik absoluut van overtuigd ben dat hij ook altijd zeer gedegen zijn dossiers kent en zijn dossiers voorbereidt, dat hij de laatste weken een beetje de indruk minstens heeft gewekt alsof het allemaal wel niet zo erg meer was en alsof er niet echt meer een strijd nodig was tegen de misbruiken of tegen de hormonenmafia of het hormonengebruik. Ik ga ervan uit dat hij dit niet zo bedoeld heeft, maar minstens kwam dit zo over. En in die zin is het goed dat we vandaag toch een resolutie voorstellen, een resolutie behandelen, die die permanente strijd tegen de hormonenmafia en het gebruik van hormonen toch aanwakkert en daardoor volgens mij ook echt op zijn juist moment komt. Wij vanuit de SPA-fractie zullen dit met veel plezier mee ondersteunen. Dank u, collega. Meneer Mahou en dan meneer Tomelijn. Madame la Présidente, par la signature de Madame Winkel, nous soutenons évidemment cette proposition de résolution. L'approche triple qui concerne à la fois les animaux de rente, la falsification des médicaments en même temps que le problème de dopage, paraît une bonne manière évidemment d'envisager la globalité du problème avec les conséquences que ça peut avoir par rapport à l'aspect criminalité en même temps que par rapport à l'aspect santé publique. Et donc, il nous paraît que des efforts doivent être poursuivis à la fois sur le plan fédéral, mais aussi dans les compétences des entités fédérées pour lutter contre ce qui constitue véritablement un fléau. Merci, M. Mahou. Meneer Tomelijn. Ja, collega's, mevrouw de voorzitter, ik dank uiteraard de collega's voor de steun en de mede-ondertekening van deze resolutie. Ik wil er wel op wijzen dat deze veel verder gaat dan enkel maar de strijd tegen de hormonenmafia. In de resolutie staat ook de strijd tegen medicatie, maar ook voornamelijk de strijd tegen alles wat de verkoop van dergelijke producten via internet betreft. De verschillende vragen die ik gesteld heb aan de verschillende ministers in de voorbije maanden, zelfs de voorbije jaren, hebben erop gewezen dat de strijd tegen de cybercriminaliteit op dat vlak moet opgevoerd worden. En de verschillende netwerken die zich daarmee bezighouden, gebruiken steeds nieuwe technieken, gebruiken het internet met leveringen aan huis. En het gaat dikwijls over gevaarlijke producten. Het gaat ook over jonge mensen die soms gevaarlijke producten innemen en zelfs in een aantal gevallen kan dat leiden tot de dood. En ik denk dat het belangrijk is dat onze overheid zich terdege bewust is van deze problematiek en de strijd tegen al die zaken opvoert, want het houdt ook uiteraard heel veel verband met criminaliteit in de financiële sfeer. En ik denk ook dat de financiële netwerken op dat vlak moeten kunnen opgerold worden. Ik hoop dus dat deze resolutie een duidelijk signaal is aan onze regering om daar in de komende periode blijvend werk van te maken. Dank u, collega Tomelijn. Als niemand nog het woord vraagt in de algemene bespreking, dan wordt die hier afgerond en we zullen straks stemmen over het geheel. Maar nu komen er nog vier vragen om uitleg aan bod. Mondelinge vragen. D'abord la question orale de madame Arena à la ministre de la Justice sur la prison de Forêt. Merci madame la présidente. Alors madame la ministre, une délégation d'experts indépendants du comité européen pour la prévention de la torture a visité la prison de Forêt et au terme de cette visite, les experts du Conseil de l'Europe doivent rendre un rapport au gouvernement belge. La situation, on le sait, c'est apparu dans l'ensemble des médias, un certain nombre de visites ont eu lieu, la situation est dénoncée par et de concert par l'ensemble des organes, le barreau de Bruxelles, l'Association syndicale des magistrats, la Ligue des droits de l'homme, la Commission de surveillance de Forêt, ainsi que la section belge de l'Observation internationale des prisons. La situation est bien entendu une situation de surpopulation, 739 détenus pour 405 places, avec des ailes C et D qui connaissent un taux de surpopulation de 235%, des phénomènes d'insalubrité, 400 détenus sont 3 en cellules prévues pour une voire pour deux détenus,
Les visites des avocats sont fortement ralenties, au point de devoir parfois attendre près de 2 heures avant de voir un détenu. Les transferts vers les palais de justice sont encore ralentis et les droits à la santé sont bafoués, ainsi que la prison est dans un état d'insalubrité totale. Alors la solution pour désencombrer les cellules aujourd'hui surpeuplées à Forêt est prévue pour le court terme via, et je vous cite, la réouverture de l'aile B de la prison de Saint-Gilles qui vient d'être rénovée. Cela constitue 100 places, 100 places supplémentaires. Ce n'est pas une réponse structurelle ou en tout cas ce n'est pas une réponse satisfaisante. L'insalubrité choquante de la prison de Forêt met chaque jour en danger la vie des détenus, mais aussi la vie du personnel. Le master plan tant attendu ne répond donc partiellement aux divers problèmes soulevés. Je cite ici les 4 exigences qui ont été formulées par les différentes associations que j'ai citées. La première exigence est par la réouverture de l'ALB de la prison de Saint-Gilles, qui est vide, qui était vide, et par le transfert des détenus en surnombre de Forêt vers ce bâtiment, on peut rencontrer un certain allègement de la pression actuellement sur Forêt. La fixation d'un seuil maximum de détenus inscrits à la prison. L'amélioration immédiate des conditions de vie en vue de supprimer l'insalubrité actuelle des prisons de la prison à Forêt. Et également la constitution d'un groupe de travail pluraliste pour rechercher des solutions les plus adéquates possibles dans le respect de la loi et de la dignité humaine. Je vous pose tout simplement la question, quelles ont été les réponses qui ont été apportées à ces 4 exigences, je dirais court terme, mais qui prévoient également des perspectives à moyen et à long terme. Merci. Je vous remercie, Madame Arinal. Parole à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chers collègues. À la prison de Forêt se posent en même temps 2 problèmes, la surpopulation et la vétusté de l'infrastructure. Je me suis déjà prononcée sur les actions en cours visant à faire face au problème de la surpopulation. Je souhaiterais rappeler que la surpopulation carcérale est particulièrement présente dans les maisons d'arrêt, comme celle de Forêt, du fait de l'absence de contrôle du flux entrant de mandat d'arrêt. À court terme, l'ouverture de l'AIB de la prison de Saint-Gilles qui permet d'accueillir 100 personnes soulagera la prison de Forêt. L'inauguration est prévue prochainement dès que la régie des bâtiments aura donné son feu vert à la mise en service effective des bâtiments. À moyen terme, une capacité supplémentaire d'environ 2000 places sera réalisée au niveau national par le biais du master plan qui prévoit des travaux de rénovation et la construction de 5 prisons et de 2 places pour et de 2 centres pour internés. En ce qui concerne les mesures alternatives, je voudrais apporter une solution au problème spécifique de la détention préventive en modifiant très prochainement la loi du 20 juillet 80. Ainsi, le magistrat pourrait décerner un mandat d'arrêt exécuté sous la forme d'une assignation à résidence sous surveillance électronique. Une autre mesure, le transfert interétatique de détenus étrangers, se poursuit également. Enfin, en ce qui concerne la situation de la prison de Forêt, la prison fermera ses portes dès que la prison de Haren sera prête. C'est pourquoi d'importants investissements pour sa rénovation n'ont pas beaucoup de sens, mais néanmoins, tous les travaux d'entretien indispensables doivent entre-temps être réalisés afin de disposer d'un espace de détention et de travail acceptable. La régie des bâtiments a à nouveau été expressément sollicitée dans ce cadre et le planning des travaux nécessaires est contrôlé par les 2 parties. Merci. Merci beaucoup pour les réponses. Le problème, c'est qu'on voit que les perspectives qui sont données sont des perspectives à moyen, voire à long terme. Moyen, la position que vous prenez en ce qui concerne la détention préventive demande une modification légale et donc va prendre, bien entendu, du temps. À long terme, quand vous citez la prison de Haren, parce que cette prison de Haren, elle doit sortir de terre et donc elle n'est pas aujourd'hui encore, on ne la voit pas encore comme solution. Vous savez qu'il y a eu une visite des pompiers sur la prison de Forêt.
Et donc, si la situation dénoncée par les pompiers est une situation négative, cette prison soit doit être aménagée pour répondre aux conditions émises par les pompiers, soit elle doit être fermée. Et donc, les propositions que vous donnez, qui sont des propositions moyen et long terme, ne pourront pas répondre à cela. Donc, j'aimerais qu'assez rapidement, on puisse obtenir... Excusez-moi, je ne vous ai pas posé de question. J'espère qu'on puisse obtenir rapidement ce rapport des pompiers et voir avec la régie des bâtiments quelle est la réponse que la régie des bâtiments pourra y apporter pour rencontrer et les besoins des travailleurs et les besoins des détenus. Merci. Je vous remercie. L'incident est clos. À l'ordre du jour est la question de Madame Katabi à la ministre de la Justice sur sa rencontre avec le ministre de la Justice marocain. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous avons incidemment appris à l'aune en fait de deux faits d'actualité regrettables, les deux évasions et les mouvements de grève qui les ont suivis, ainsi que un incident avec le Premier ministre marocain, que vous étiez rendu dernièrement au Maroc. Et à votre retour, vous avez déclaré « J'étais au Maroc pour avoir des contacts avec le ministre de la Justice marocain. C'est aussi très important concernant le transfert des détenus. J'étais là aussi pour travailler et aussi pour améliorer la situation dans nos prisons. » Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur cette rencontre, son contenu, les engagements mutuels pris? Et je serais curieuse d'entendre en quoi elle aura pour effet d'améliorer la situation dans nos prisons, car en effet, à moins que vous ne nous annonciez une modification des termes du protocole de 2007, le nombre de détenus concernés par ce dernier est relativement limité, une dizaine, tout au plus, eu égard aux strictes conditions d'application de la loi. La loi, en effet, ne s'applique qu'aux condamnés. Les Marocains qui se sont installés en Belgique avant l'âge de 12 ans, qui ont un enfant, un père ou une mère en Belgique, qui y ont séjourné 5 ans de manière ininterrompue, qui sont gravement malades ou qui ont le statut de réfugiés, ne peuvent être renvoyés vers leur pays d'origine. Pouvez-vous donc, Madame la Ministre, nous confirmer le profil exact des détenus concernés et leur nombre? Sont-ils sans papier, illégaux ou étrangers, c'est-à-dire de nationalité exclusivement marocaine, mais résidant légalement sur notre territoire? Je vous remercie de ces éclaircissements, Madame la Ministre. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, j'ai effectué une visite officielle au Maroc du 10 au 13 avril dernier. Le point essentiel de ma visite concernait en toute évidence l'entretien avec le ministre marocain de la Justice, M. Ramid. Cet entretien nous a permis d'examiner le large éventail des aspects qui constituent notre coopération en matière de justice avec le Maroc. Après la France, la Belgique constitue le deuxième principal partenaire du Maroc en ce qui concerne la coopération en matière de justice et en matière civile et pénale. Les problèmes avec un groupe relativement limité d'illégaux marocains et de prisonniers condamnés entraînent des répercussions très négatives sur l'image de la communauté marocaine légale établie en Belgique ainsi que sur les Belges d'origine marocaine. Il est dès lors dans l'intérêt des deux parties que de bons accords ainsi qu'une bonne coopération s'établissent entre les deux pays, les deux administrations de la justice et d'autres autorités concernées. L'entretien avec le ministre marocain de la Justice concernait les points essentiels de notre coopération, le transfèrement de prisonniers condamnés marocains, la coopération en matière civile et pénale, l'échange d'informations en matière d'identification, la problématique des enlèvements internationaux d'enfants, la coopération renforcée. Sur la base des critères du protocole, un premier paquet de 13 dossiers a été transmis l'année dernière aux autorités marocaines. 3 dossiers ont été retirés, un en raison du fait que l'intéressé avait purgé sa peine et a été expulsé vers le Maroc, 2 autres en raison du fait qu'ils ont fait appel de leurs expulsions. Un dossier pose problème en ce qui concerne l'établissement de la nationalité de l'intéressé. L'accord définitif du Maroc concernant le transfèrement de 6 prisonniers condamnés marocains a été obtenu au cours de la visite. Les modalités pratiques du transfèrement de ces prisonniers condamnés ont dès lors été examinées avec le ministre de la Justice du Maroc. À cet égard, il importe qu'il y ait un accord politique des deux pays
afin de recourir à cet effet à des vols spéciaux protégés. Les dispositions pratiques à cet effet seront évaluées dans les prochains jours avec l'Office des étrangers, l'SPF Défense et l'SPF Justice. Merci Madame la Ministre. Madame Katabi. Oui. Je vous remercie Madame la Ministre de cette réponse. Vous donnez un certain nombre d'éléments sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir à l'occasion d'autres questions. J'aurais souhaité vous entendre plus longuement sur le profil exact des détenus, parce que vous ne répondez pas notamment sur la question des Marocains qui sont donc de nationalité marocaine, mais qui résident légalement sur notre territoire, parce que à la lecture du protocole, ils ne sont pas concernés. Et par ailleurs, vous conviendrez avec moi que ces Marocains-là, s'ils devaient être envoyés dans leur pays d'origine, auraient fait l'objet d'une double peine, puisque ils résident légalement sur notre territoire et il n'y a donc aucune raison de leur faire purger leur peine dans le pays d'origine. Par ailleurs, j'aurais aussi souhaité vous entendre sur le fait que ce protocole, alors c'est une idée qui circule, hein, et je pense que c'est important que vous puissiez être clair et ne pas laisser penser que ce type de protocole permettra de vider nos prisons comme si elles étaient remplies que de personnes issues de cette nationalité-là ou de cette nationalité-là. Je pense qu'il est illusoire de le penser et qu'il est dangereux de laisser cette information circuler au sein de la population. Je pense que pour désengorger nos prisons, nous avons un certain nombre de dispositifs à notre disposition, qu'il vous est loisible de mettre en place, mais de laisser penser que ce protocole nous permet de vider nos prisons, je pense, est tout à fait dangereux et ne va pas dans le sens des déclarations que vous faisiez, à savoir que les premières victimes d'images et de stéréotypes sont les Marocains eux-mêmes en Belgique. Donc j'aurais souhaité vous entendre dire clairement que le nombre est réduit de manière telle que ça n'arrange en rien et ça ne vide en rien et ne résout en rien le problème de la surpopulation carcérale. L'incident est clos. Wij hebben nog één vraag aan collega minister Bogaert van collega Van Lauwe. Ik zal ondertussen laten bellen om de collega's te roepen voor de stemmingen. Maar aan de orde is nu de vraag van collega Van Lauwe aan de staatssecretaris voor ambtenarenzaken en modernisering van de openbare diensten over de diefstal van klantengegevens van Elantis. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de staatssecretaris, vorige week werd de kredietverstrekker Elantis, dochteronderneming van Belfius, het slachtoffer van een cyberaanval, een inbraak door hackers waarbij gevoelige klantengegevens werden gedownload. Uit de verschillende kranten hebben we vernomen dat het onder meer gaat over de naam van de leners, de jobs, soms zelfs nummer van de identiteitskaart, contactgegevens, details over hun inkomen, maar zelfs het bedrag dat werd uitgeleend. De hackers hebben als bewijs hiervan enkele fragmenten van die persoonlijke gegevens en correspondentie online gezet, om de verklaringen van Elantis te ontkrachten dat het gaat om algemene informatie. Elantis is een dochteronderneming van Belfius die een gespecialiseerde woonkredieten doet en een dochteronderneming van dus Belfius, het voormalige Dexia. De hackers dreigen ermee al die klantengegevens publiek te maken. Indien Elantis geen 150.000 euro zou betalen tegen morgen vroeg vrijdag 4 mei, volgens de hackers gaat dit niet om een chantage, maar om een zogenaamde, wat zij zelf noemen, idiotentax, omdat Elantis haar klantengegevens zonder bescherming op haar website heeft gezet. Het hacken van bedrijven door cyberactivisten, ook wel hacktivisten genoemd, heeft in 2011 voor het eerst de misdadige cyberintrusies van criminele organisaties overtroffen. Volgens het Amerikaanse telecommunicatieconcern Verizon waren vorig jaar zo'n 58% van de cyberaanvallen afkomstig van hacktivisten. Internetbeveiligingsbedrijf Symantec stelt dat in 2011 de gedetecteerde cyberaanvallen met maar liefst 81% zouden gestegen zijn en dat deze stijging zich ongetwijfeld ook dit jaar zal doorzetten. Om het hoofd te kunnen bieden aan de groeiende dreiging van cyberaanvallen heeft de federale overheid het CERT, het Computer Emergency Response Team, opgericht. De taak van de CERT is de bevolking te voorzien van informatie rond internetbeveiliging.
Daarnaast fungeert het ook als een soort aanspreekpunt voor personen, bedrijven, maar dus ook voor overheden die te maken hebben met cyberaanvallen. Maar door de structurele onderbezetting van de CERT, en als ik het goed voor heb, zoals blijkt uit een vraag die eerder gesteld is, zouden er amper 10 personen werkzaam zijn voor het CERT. Maar ook de totaal beperkte naambekendheid van het CERT bij de bevolking heeft die nog steeds haar taak niet ten volle kunnen opnemen. Het gevolg is dat vele cyberaanvallen nog niet gerapporteerd werden. We weten vermoedelijk niet eens het exact aantal cyberaanvallen die er gebeuren op zowel de overheid, op zowel bedrijven, op zowel natuurlijke personen. En dat er dus nog een veel te beperkt inzicht bestaat omtrent de veiligheidssituatie van computersystemen in dit land. Mijn vraag aan u, meneer de staatssecretaris, is dan ook de volgende. Heeft het CERT melding gekregen van deze heel concrete cyberaanval op Elentis, van deze cyberintrusie? En in welke mate draagt het CERT bij aan de oplossing van het probleem om dergelijke cyberincidenten in de toekomst te voorkomen? Bent u ook voldoende op de hoogte van de ernst van deze cyberaanval? En kan u eventueel ook gegevens omtrent, cijfergegevens omtrent het aantal aanvallen op bedrijven, op overheden die gemeld zijn bij het CERT meedelen? Ik dank u. Dank u, collega. Het woord is aan de staatssecretaris. Mevrouw de voorzitter, collega Van Lauwe, beste collega, CERT.be werd door Elantis niet op de hoogte gebracht van de inbraak, maar heeft dit vernomen via de pers. Gezien informatie verspreid werd via de pers, laat vermoeden dat het om een misdrijf gaat, moet de afhandeling van deze aanval opgevolgd worden door de Federal Computer Crime Unit. CERT.be heeft dus geen specifiek initiatief genomen ten opzichte van Elantis. Ten tweede, om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden, publiceert CERT.be geregeld waarschuwingen in verband met de gekende gebreken van verschillende systemen, beschikbare updates en algemene beveiligingsaanbevelingen. Deze zijn zowel aan bedrijven als aan particulieren gericht. CERT.be deelt eveneens informatie mee via de pers wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld voor DNS Changer Virus. Deze sensibiliseringsacties kunnen uiteraard nooit garanderen dat de systemen niet aangevallen zullen worden, maar zorgen er wel voor dat de beheerders over de informatie beschikken die hen toelaat hun systemen zo goed mogelijk te beschermen. CERT.be zal bovendien opnieuw contact opnemen met Febelfin om het dienstenaanbod van CERT.be in herinnering te brengen en om de samenwerking met de banksector voor te zetten en zelfs uit te breiden. Er zullen ook acties overwogen worden voor de andere sectoren die als kritisch kunnen beschouwd worden. In het verleden werden al verschillende contacten opgenomen hiertoe. Dank u. Dank u, meneer staatssecretaris. Meneer Van Lauwe, voor repliek. Dank u wel, meneer staatssecretaris, voor uw toelichting. Ik verneem dus dat het CERT niet op de hoogte was van ook deze cyberaanval. Uit de recente vraag die gesteld is, blijkt dat het CERT vorig jaar in 2011 ongeveer een melding heeft gekregen van ongeveer 1200 aanvallen. Dat komt neer op ongeveer 100 cyberaanvallen per maand en ongeveer 3 cyberaanvallen per dag. U weet ongetwijfeld dat dit maar het topje van de ijsberg is en dat er vermoedelijk veel meer cyberaanvallen dagelijks op ondernemingen zijn, op banken zijn, zelfs op de overheid, lokale overheden, federale overheid, en dat dit toch wel een inbreuk kan uitmaken op het recht op privacy. Ik hoop dat u de ernst hiervan voldoende zal respecteren en dat u de nodige maatregelen zal nemen om het CERT nog meer bekend te maken, want ik moet vaststellen dat dit tot op heden eigenlijk totaal onbekend is bij het grote publiek, bij ondernemingen en zelfs bij de overheid. Dank u, collega. Het incident is gesloten. Vooraleer over te gaan tot de stemmingen, wil ik uw aandacht vragen voor de verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie. Het bureau stelt voor een reeks wetsvoorstellen te herverzenden. Ten eerste in het kader van de institutionele hervormingen van de commissie voor de binnenlandse zaken en voor de administratieve aangelegenheden naar de commissie voor de institutionele aangelegenheden. Et en vue des débats sur la traite des êtres humains, des commissions des affaires sociales et de la justice à la commission de l'intérieur et des affaires administratives. Si la liste des propositions a été distribuée et s'il n'y a pas d'observation, il en sera ainsi. Et nous allons voter. Je vous invite à voter.
D'abord, sur la proposition de loi modifiant le Code civil visant à simplifier la procédure lors de l'adoption nationale ou internationale d'un deuxième enfant. Je vous invite à voter sur l'ensemble de la proposition. Tout le monde a-t-il voté? Si tout le monde a voté, nous clôturons les votes. Et le résultat des votes, 54 voix pour, il n'y a pas de voix contre, et il y a une abstention. Une abstention, c'est juste. À la suite de ce vote, deviennent sans objet la proposition de loi complétant l'article 346.2 du Code civil concernant l'aptitude à l'adoption de Mme Defraigne et la proposition de loi modifiant l'article 346.2 du Code civil visant à simplifier la procédure lors de l'adoption de deuxième enfant de M. Mahou. Het ontwerp zal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden. Ik nodig u uit om nu te stemmen over het voorstel van resolutie over de Belgische houding in zaken de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en de ontwikkelingslanden van mevrouw Timmerman en consorten. U kan stemmen over het geheel. Heeft iedereen gestemd? Als iedereen gestemd heeft, dan ronden we de stemmingen af. En kijken we naar het resultaat van de stemmingen. En er zijn 52 stemmen voor, er zijn geen stemmen tegen en er zijn 5 onthoudingen. Pardon, monsieur de Decker. Votre vote n'est pas enregistré. D'accord, nous en prenons acte. Je vous remercie. De résolutie est dus aangenomen. Ze zal worden overgezonden aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister, de minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. En dit brengt ons tot het volgende punt op onze agenda. La proposition de résolution concernant le rehaussement du statut de la délégation générale palestinienne à Bruxelles afin de l'élever au rang de mission diplomatique de Mme Arena et consorts. Je vous invite aussi à voter sur l'ensemble de la résolution. Tout le monde a-t-il voté? Si tout le monde a voté, nous clôturons les votes. Et nous voyons quel est le résultat des votes. 51 voix pour, il y a 4 voix contre, il y a une abstention. La résolution est adoptée. Elle sera communiquée au Premier ministre et au vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, des Affaires européennes, sous le nouvel intitulé « Proposition de résolution concernant le rehaussement du statut de la délégation générale palestinienne à Bruxelles ». Ten gevolge van deze stemming vervalt het voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in België van collega Mats. En dit brengt ons tot de laatste stemming deze avond over het voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik, als ook de illegale medicatie van collega Tommelijn. En ik nodig u uit ook hier om te stemmen over het geheel van de resolutie. Heeft iedereen gestemd? Als iedereen gestemd heeft, dan sluiten we de stemming af en kijken we graag naar het resultaat van de stemmingen. En deze resolutie telt 58 stemmen voor, dus unanimiteit. Dus er is eensgezindheid over deze resolutie met 58 stemmen. De resolutie is aangenomen. Zij zal worden overgezonden aan de eerste minister en aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. Daarmee worden de stemmingen afgerond. Et je vous invite à la prochaine séance plénière, le jeudi 10 mai, à 15h. Bonne soirée.